ça, hein? Regardez-moi cette patte. Souple et généreuse de caractère. Italien, quoi. La classe. Sonnez, canon, revoir, frère. Sonnez, canon, revoir. Oui, nous nous reverrons, mais personne. Canon, revoir. Isabella, attention. À vous. Arrête-moi ça tout de suite, hein. Je croyais que tu t'occupes de ton four. Ah, vous nous gâtez, Aldo. Cette idée de barbecue italien est une très belle façon de fêter votre départ. Déjà, je sens le pays. Vous partez longtemps? Je ne suis pas encore parti, vous voulez déjà savoir quand je rentre? Vous allez tellement nous manquer. Je veux dire, vous allez... Vous allez tellement manquer à l'agence, toutes ces affaires d'assurance qui attendent votre intervention. Antonin et Julien, ils sont au courant de tout. Oui, je suis au courant de tout. Oui, je suis au courant. Mon neveu Alberto, il dispute des matchs de boxe très importants. Il faut que je l'encourage. Son neveu? Quelle drôle d'idée! J'aurais jamais pensé à partir en vacances avec mon neveu, moi. Remarque, j'en ai pas. Ça doit être pour ça que j'y pense pas. Tu ferais mieux à penser à ton feu, hein? À mon feu? Ben oui. Ben, j'y pense. Vas-y. Ah ben bravo, te voilà. Bon, ben faut qu'on recharge, ça va s'éteindre. Mais je te l'ai dit, on l'a allumé trop tôt. Et puis les briques sont mal huiles. Oh, on aurait dû les mettre dans l'autre sens. Mais t'avais qu'à le faire. Mais c'est moi qui l'ai fait. Attendez, faut voir si les briques sont bonnes. Non, elles sont pas bonnes. Faut qu'on souffle. Bah t'as qu'à le faire. Oh. À ton tour, hein. Merci, c'est au bon, hein. Là. Aldo. Oui. Alors Aldo, au nom de l'agence tout entière, permets-moi de t'offrir cet équipement du parfait détective. On avait dit que c'était une surprise. J'avais rien dit. Un cadeau? Quelle surprise! Tu vois? Non. Ben disons. Ma parole, c'est vrai. L'équipement du parfait détective? Alors là, pour être une surprise, c'est une surprise, hein? Ah, tu vois, de moins en moins. Vous avez fait des folies. Si on voulait, on pourrait faire des écoutes téléphoniques. Si on voulait. Mais on veut pas. Non. Non. Bon, non. Et ça, c'est quoi, ça? C'est une idée des filles. Et de moi. On a pensé que... Pensez génial, hein? Comme je suis? Ah, vous êtes superbe. Pour arroser ça, j'ai apporté un peu de parfum de ma Normandie natale. Un parfum de Normandie? L'odeur de la pomme, mais rien que l'odeur, parce que pour le reste, 70 degrés dans la bouche. 70 degrés. 70 degrés. 70 degrés. Mmh. Orc. Mmh, c'est pas le cas de ton feu, hein? Il s'éteint, tu vois pas? Eh, si on voulait. Ah! Oh là 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 là, c'est Julien, alors. Allez, dès l'eau. Ça y est, j'ai ouvert l'eau! Oh, oh, oh. Oh, Julien, hein? Antonin, excuse. Voilà. Un parfum d'Italie, enivré de l'air de Normandie. Quel destin! Oh, oh non. Oh. Progressez par l'intérieur. Pizza alla carbonara. Alberto. Mon neveu. Mais... Alberto. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je partais te rejoindre, moi. Ben, tu vois, ce n'est plus la peine. Ah. Je suis là. Pardon, c'est la fumée. Je suis allergique. Ah. Moi, c'est pareil avec la fumée de cigarette. Bon.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, l'incendiaire, hein? Viens, Alberto, tu me raconteras pourquoi t'es là, hein? Oui. Bah alors, il part plus? Hé, tu veux un traversin aussi? Non, non, merci. Moi que je me faisais une joie de partir, de retrouver l'Italie, son soleil, ses scampis, sa douceur. Sa douceur, pas pour tout le monde. Si je suis là, c'est que... Bon, tu dormiras là. Explique-moi. Mais tu sais le match de boxe à Turin à fin du mois? Oui. Eh bien, on m'a demandé de le perdre. Et bien sûr, t'as refusé. Mais non seulement j'ai refusé, mais je te garantis que le type qui est venu demander, je l'ai arrangé. La nuit, c'est qu'ils en ont envoyé d'autres. Bien sûr, l'union fait la force. J'ai décidé de partir jusqu'au match, pour rester tranquille. Je te garantis que ce jour-là, je ne me coucherai pas. En attendant, je peux faire un croix sur mes vacances, moi. Mais pourquoi? On peut très bien faire tes vacances à Paris. Tiens, on visitera tout, comme si tu étais un touriste. Mais oui, touriste, pourquoi on va pas à l'hôtel, alors? Mais l'oreiller, c'est de la plume. Non, pourquoi? Parce que je suis allergique à la plume. Josephine, viens, Albert ne veut pas dormir avec toi. Bon, demain matin, ce sera un café noir? Oui, un café, sì. Due tartine, sì. Un uovo fritto, cappuccino, un succo di frutta. Due spaghettini al dente. Con un po' di... Allez, bonne nuit, va, dammi, va, fa un culo. T'ha grossi, Josephine, eh? Allô? Ah, bonjour. Eh bien là, on allait partir en visite touristique. Che c'è qua? Beh, on est bien d'accord, Isabella, je vais, je regarde et je vous dis ce que j'ai vu. Ok, ok, au revoir. T'as déjà visité une usine? Et pourquoi tu me demandes ça? Un petit service à rendre à mon agence. Un incendie aux usines Besson, viens. Moi, tu sais, les usines. Bien brûlé, hein? Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour, monsieur. Monsieur? Aldo Bocamp, expert en assurance. Oh, ben, tu danses, un véritable défilé, hein? La police, les pompiers, puis les assureurs maintenant. Eh oui. Excusez-moi, je vous laisse. Je vais marcher un petit peu. Oui, marche un peu, hein? Votre fils? Non, mon neveu. Ah, je suis pas tombé loin. Hein. J'aurais pu être physionomiste dans un casino. Bravo! Dites-moi. Oui. Et vous savez comment l'incendie s'est déclaré? Eh bien, c'est dans mon bureau, tiens. Pareil que c'est un rôdeur. Ah, une cigarette mal éteinte. Hein? Eh, oh, t'as interdit de fumer ici, hein? Voilà, oh, ben, au point où on en est, hein? Il y a 20 ans que c'est interdit. Ils disent que c'est un rôdeur. Mais le gars, le malheureux, lui, il risque plus de parler. Pourquoi? Parce qu'il est mort dedans. Seulement, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi il est mort. Voilà. Vous venez de me dire qu'il est mort brûlé, alors. Oui, mais ça ne dit pas pourquoi. Et moi, je vous garantis une chose, c'est que la guerre est repartie. La grande? Ah, bah, naturellement. Après vous. Merci. Eh oui, la guerre du synthétique. Moi, je vous le dis, c'est pas fini. Et la preuve, c'est que ça recommence, hein. Seulement ce coup-ci, ça se dépend sur le costume. Mais, dites-moi, vous êtes monsieur Besson? Oh, non. Non, je suis que l'ancien propriétaire. Des témoins de l'incendie? Un dimanche. On a quand même le droit de se reposer, même dans le nylon. Ah, monsieur Besson aurait pu être là. Oh, c'est... Pendant que son usine brûlait, il était au sud-ouest. Ah, en voyage? Non, au restaurant, le sud-ouest. C'est même là-bas que je l'ai appelé pour le premier. Eh oui, restaurant sud-ouest. Donc, vous étiez là au moment de l'incendie? Bah, j'habite à côté. Avant, les patrons habitaient toujours à côté de leur usine pour surveiller. Vous voyez? À cause de la guerre? Ouais. Oh. Je suis arrivé en même temps que les pompiers. Hein. Bravo. Il ne me reste plus que vous remercier. Eh bien, faites-le. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Oh, vous n'avez pas un peu de feu? Non, je ne fume pas. Et puis, il n'y a plus rien brûlé. Bon, j'arrive. Tu as fini l'enquête maintenant? Ça y est, on peut aller visiter Paris? Oui, visiter Paris. Tu ne peux pas attendre une heure ou deux. Il faut que je vais à mon bureau faire mon rapport, moi. Eh, ton bureau, tes usines, ton travail. Mais là, je n'ai marre. On va visiter Paris, la grande ville. Et après, je te donne quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'ai ramassé là-bas. C'est du chantage, ça, hein? Eh oui. Tu veux visiter Paris maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Et après, tu me donnes ce que tu as ramassé là-bas. Certainement. Voilà. Allez, on y va. T'as gagné. Albert. À tout
Tour Eiffel. Notre-Dame. Saint-Eustache. Une église. La GAF. La quoi? General Assurance contre la fraude, mon bureau. Là, tu vas pouvoir visiter. Bon, maintenant que tu as fait le tour de Paris, tu veux me dire ce que tu as ramassé à l'usine? Bien sûr. Eh. J'ai trouvé une cassette. La voilà. Secondo lei, cette cassette? Dimanche. Oh là 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 là. Au tribunal. Oh là 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 là. Bon, je te la rends, hein. N'essaye pas de te payer notre tour de Paris avec ça, hein. Mais il faudrait que j'aille acheter un peu de matériel. Et tu peux pas attendre la fin de mon rapport pour t'acheter un peu de matériel? Ah. Mais enfin, c'est pour ton travail, pour la cassette. Tu sais, avec le paire de ciseaux, du scotch et une autre cassette, je vais faire un bon montage. Tu vas voir. J'étais sûr. J'ai toujours compté sur la famille, moi. Bon, je vais te présenter Virginie, hein? Virginie? Si. Elle est comment, Virginie? Et pas tant, tu vas voir. Elle a tout ce qu'il faut. Le scotch, la cassette, les ciseaux. Beh, tu l'as rencontrée, Virginie, chez moi, quand t'es arrivée. Chez toi? Si, la petite, la belle, ah, tu sais, là. Ah, la belle fille, oui, là. C'est ça. La petite, oui. Là, avec un beau... Allez, viens. 83XJT75. Bien, très bien, madame, je vous appellerai. Vous êtes adorable. Mais ceci n'est pas mon numéro. C'est celui de l'immatriculation du fou qui a embouti ma Rolls et a pris la fuite. C'est que votre Rolls emboutie est là... Troisième, madame. Alors, vous comprendrez que nous ayons besoin d'une enquête un peu approfondie. Alors, attendez que j'ai fini mon expertise. Laissez-moi aller au fond des choses. Laissez-moi aller au fond des choses. Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible. Vous voyez bien, elle le noie. Tout est possible. 100 francs que Julien rembourse la Rolls. Oh, 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 il en a plus. Il m'a mordu! Émile! Vas-y. Ah non, ah non. Ah non, pas ça. Eh bien, les paris sont ouverts. Hein? Ah non, pas ça. My God! Quel homme! Eh bien, je gagne. Vous me devez 100 francs chacun, hein? Allez, payez. Vous êtes sûr que vous pouvez conduire? Très bien. Hein? Oui. Oh, Aldo, hein? Isabella vous attend. Hein? Moi, j'ai fait du judo quand j'étais petite. Vous pourriez m'apprendre la boxe? Bien sûr. Alberto, tu te rappelles, Virginie, c'est... Ah. Oui, oui, bon. Virginie, vous avez un ciseau, un peu de scotch et une cassette? Non, enfin oui, enfin moi, je vais m'arranger pour trouver tout ça. Ah, vous n'étiez pas tante? Oui. Hé, t'as du rouge aux lèvres, là. Pardon. Salut. Marion Lagné, Aldo Bocamp. Bonjour. Mademoiselle Lagné. Oui, mademoiselle Lagné nous est envoyée par son père, monsieur Lagné, du groupe d'assurance Lagné et compagnie. Ah, la fille du président Lagné. Je vois. Mademoiselle Lagné hésite beaucoup sur sa carrière aussi. Son père nous l'a envoyée pour qu'elle fasse connaissance avec notre profession. Mais c'est une excellente initiative. N'est-ce pas? Oui. Vous devriez la mettre en tandem avec Julien. À propos de Julien, votre neveu vient d'y aller un peu fort. Non. L'autre lui a gonflé la tête, il lui a démonté, c'est réglo. Voilà. La fille du président Lagné trouve que c'est réglo. Eh bien, on verra ça plus tard. Et à propos de l'usine? Complètement brûlée. L'incendie semblerait être provoqué par un rôdeur qui a péri dans les flammes. Bien banal comme histoire. Oui, encore un clochard qui met le feu. Mais dans une usine, c'est étrange. Et puis l'ancien propriétaire affirme que l'incendie ne peut être que criminel. Vous avez les rapports de la police? Ma cassette? Tu veux pas mon Walkman pendant que tu y es? Oh, ben c'est gentil de me le proposer. J'osais pas vous le demander. Je rêve, là. Mais non. Vous découvrez juste l'univers impitoyable du monde du travail. Alors, la police? Je n'ai pas encore leur conclusion, mais l'assurance nous a demandé de pratiquer l'expertise du sinistre. Alors, comme vous avez commencé, j'ai pensé... Ah non!
Ah non, Isabella, hein? Et mes vacances? Je m'en vais sous les bras, moi. Je vous fais remarquer que cette heure-là, je devrais être en Italie. Oui, mais vous n'y êtes pas. Oh, j'ai besoin de vous, Aldo. De votre compétence, de votre talent. Isabella, ne rajoutez pas plus quand même, hein? Et en plus, c'est le genre d'enquête qui ferait un stage très intéressant pour Mademoiselle Lagné. Moi, avec... On n'y pensait pas. Faites-le pour moi, Aldo. Moi, pour moi. Eh, donnez l'enquête à Julien. Il est débordé de travail. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon neveu? Le boxeur. Oui. Eh bien, je sais pas. Emmenez-le avec vous. Ça peut toujours servir un boxeur. Hein? Bon, Mademoiselle Lagné est au courant de l'affaire. Alors, je vous laisse le dossier. Et surtout, je compte sur votre discrétion. Discrétion. Ça va être facile. Avec cet épouvantail. L'épouvantail, il est au courant. Ça commence bien, hein? Allez, mais ça va. Voilà, calme ça. De l'autre côté aussi. Hein, bien. Là, comme voilà. Ça. T'es drôlement doué, toi. Moi, j'y arriverai pas, j'ai trop gros doigts. Et trop grand pied aussi, oui. Il se les prend toujours dans le tapis. Il veut dire que notre Julien est un peu rêveur et donc maladroit. Minute. C'est plus discret. Que peur! Aldo, oui. Je savais qu'est-ce que j'ai pu, hein? Oui. Encore un petit bricolage et tu vas voir. Non, mais je rêve. Une cassette achetée à Londres. Mais je te raconte pas la valeur. Oui, c'est ça. Ne racontez pas les valeurs, hein? Tiens, attrape. Mon Walkman! Hey, quand je disais que j'avais trop gros doigts. Mais quel con! Bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? On se couvre les visages des cendres, on enterre votre Walkman, on continue l'enquête. Ah, très drôle. On continue l'enquête. Bon, tu viens? Ben, tu arrives, hein? À demain. Ah, tu l'emmènes? Ben, c'est dommage, hein? Parce que tout seul, je suis pas sûr que j'arriverai à réparer. Bon. Je vous colle la honte ou quoi? Pourquoi vous marchez aussi vite? C'est pour mon cœur. Ouais, c'est ça, ça vous défrise, hein, que je bosse avec vous. Je me cache. Oh, merde! Mais pas de grossièreté, hein? On a paumé le boxeur! Où est ce con? Ce quoi? On a qu'à se poser là, il va bien appliquer. Oui. Comme si je n'avais que ça à faire, moi. Ouais, ben moi, j'attends. Eh bien, moi aussi, j'attends. Vous voulez que je vous résume l'affaire? Comme ça, vous perdrez pas tout votre temps. Essayez toujours. Bon, alors voilà. Alors, c'est un plan galère. Il y a un mammouth client qui se retrouve à... Un quoi? Un mammouth, un big, un gros, quoi. Putain, mais faut sortir, c'est pas possible. Ne vous perdez pas dans les détails, hein. Continuez. Louis Besson. Fabricant de vêtements. Coût du sinistre, 7 millions de francs, dont 3 millions en perte d'exploitation. Ça va, là, vous me recevez? 7 sur 7. Cause de l'incendie, un rôdeur. Voilà, j'ai terminé. Enfin, si vous voulez, je peux inventer pour meubler. Je peux, hein. C'est quoi votre parfum? Le parfum de ma mère. Eh bien, il y a bon goût, madame votre mère. Ah, les voilà. Quand tu t'absentes, tu me le demandes, capisco? Mais je venais de voir un magasin Wi-Fi pour remplacer les volumes de... Marion! Marion Lagné, la fille du président Lagné. Tiens. Merci. La cassette. La cassette aussi? Oui, la cassette aussi. Allez, on y va. Non, mais là, il manque pas d'air, celui-là. Mais quoi? Il marche toujours vite comme ça, lui? Mais j'en sais rien, moi, c'est la première fois que je cours derrière. Mais je croyais que vous étiez son assistante. Eh ben, tout le monde peut se tromper. Ah, au fait, merci pour le Walkman. Ah, merci à toi, hein, tu sais, quand on casse, il faut remplacer. Ouais, t'es pas branché mode, mais t'as de bonnes ondes quand même. Va pas si vite, hein, parce que je comprends pas toujours tout. Putain, pourquoi on doit attirer ma quête pour les chiens? Hé, attendez-moi! Mais pourquoi il marche aussi vite? 16. Besson habite ici. J'y vais. Allez donc m'acheter des piles pour cet engène. Eh, je suis peut-être en stage, mais ça veut pas dire que je suis votre esclave, ok? Alors vos courses. Ah, j'aurais dû y penser, hein. Si tu veux, j'y vais. Oui, c'est ça. Tiens, tu nous retrouves sous les paliers, hein? C'est ton deuxième. Ok, ne traîne pas trop, hein? J'ai envie d'écouter cette cassette. Allez, on y va.
Tenez-vous droite. Ça ne sauvera pas les restes, mais il faut tout de même essayer. Non, il est bouché, le mec, là? Il est peut-être simplement absent. Waouh, est-ce que t'es moche? Tu es le fils de Louis Besson? Et toi, t'es de la police? Mon père, il est pas là. On n'a pas gardé les tortues ninja ensemble, alors on l'attend, mais dedans. Bon, puisque vous savez faire avec les enfants, vous attendez la nuit, hein? Ouais, ben ça y est, je vois, je gêne. Mais pas du tout. Vous attendez Monsieur Besson et vous me prenez un rendez-vous avec lui. Bon courage, Pichon. Bah, faites-le croire que je vais le bouffer tant que vous y êtes. Ton père, il est cool. Moi, le mien, il ne me laisserait pas sortir comme ça. D'abord, c'est pas mon père. Et voilà. Bonjour, madame. C'est bien le deuxième étage, ici? Mais bien sûr, monsieur. Entrez. J'avais rendez-vous avec mon oncle, mais je vois bien qu'il n'est pas là. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais ne soyez pas timide. C'est le destin qui vous a poussé. Vous vivez avec des gants? Pardon? Des gants? Je vous vois avec des gants aux mains. Des gants et du sang. Et vous voyez ça où, madame? Dans vos yeux. Une image fugace dans vos yeux. Mais rassurez-vous. Rien de grave. Mais vous êtes docteur? Presque. Asseyez-vous. Quoi? Oh! On vous cherche. On ne peut pas dire que les intentions soient très bonnes. Coupez de la main gauche. Et on va me trouver? Le cavalier d'épée. Les intentions sont belliqueuses. Ah! Je le vois. Je le vois sur le palier. Ah! C'est lui. C'est moi quoi? Mais c'est vous qui? Alberto, c'est toi? Aldo, c'est toi, cavalier d'épée? Bonjour, madame. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'appelais? Le cavalier? Le cavalier d'épée. Eh oui, il paraît que tu m'en veux. Mais pas du tout, ça fait une demi-heure que je te cherche. Tu vois bien que je ne peux pas t'en vouloir. T'as les piles? Eh oui, tiens. Asseyez-vous. Merci. Ça se complique. Maintenant, je vois du feu. Mais, rajouter un cercueil et la pleine lune, ça fera un merveilleux film des vampires. Un cercueil, oui. Il y a un mort. Et pourtant, il vit. Mélanger et couper. Cette histoire est incroyable. Comme vous faites ça. Moi, j'y arrive jamais. La classe. Tiens, c'est curieux. Quelqu'un près d'ici a des problèmes. C'est peut-être votre voisin, Monsieur Besson. Une lettre. Il y a une lettre dans la boîte aux lettres. Très intéressant. Une lettre dans les boîtes aux lettres. Attendez, non. Des mots brûlés? Comment peut-on brûler des mots? À moins que ce soit une lettre brûlée. Ou peut-être un enregistrement brûlé. Ça ne peut être que ça. On les doit quelque chose? Normalement, c'est 300 francs. Oh. Avant, j'aimerais bien comprendre. J'ai l'impression qu'il vous faut des temps. Hein? On repassera une autre fois. Au revoir, madame. Eh bien, madame.
Au revoir, hein, et à bientôt. Au revoir, monsieur, à bientôt. Mince! Touche pas la photo de mon père. Commence pas à me prendre la tête. Est-ce que tu veux que j'en fasse de ta tête? Tu fais gaffe à ce que tu dis ou je t'en colle une. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de faire parler les gosses. Et si on parlait de l'usine de ton père? Je crois qu'il résiste. Ok, bonjour, Zardien, mais pas de pâte. Alors, tu prends du soleil sur le palier ou on y va? Et Marion, on n'attend pas Marion? Personne. Ma qu'est-ce que tu fais là? Ben, il a bien parlé dans lettres, non? Et tu crois ces choses-là maintenant? Non. Ma in generale, dalle boîte à lettres, il y a des lettres. Mais ça, c'est des. De l'information. Ah. Dites, qu'est-ce que vous mettez dans les boîtes encore? Eh, on met de l'information. Ah, de la publicité, c'est ça? C'est ça, madame. Eh? Au revoir, madame. Arrête, j'allais oublier. C'est une lettre qui est arrivée par erreur dans ma boîte. Vous pourriez la mettre dans celle de Monsieur Besson pendant que vous y êtes. La lettre dans votre boîte de Monsieur Besson? Oui, ben, c'est une erreur du facteur. C'est idiot, n'est-ce pas? Eh non, c'est pas mal, madame, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est trompé de temps en temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Ne vous inquiétez pas, je la remets dans sa boîte. Dites-moi, monsieur, vous avez un accent. Vous travaillez pour une firme étrangère. Oui, c'est ça, italienne, une firme italienne. Et vous faites de la réclame, pourquoi? Pour des voyages, madame, pour des voyages. Ah, des voyages, ça forme la jeunesse. Mais ça n'empêche pas de vieillir, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Une sauvage! C'est une de vos collègues? Oui, on fait aussi la promotion pour des temps d'Indiens. Pour les jeunes, bien sûr. Eh bien, madame, merci de tout. On ne veut plus vous déranger longtemps. Ah, mais vous ne me dérangez pas du tout. Mais nous aussi. Vous voulez pas qu'on bosse? Excusez, là, il débute. Eh, hey, ma petite, si vous croyez que c'est comme ça que vous allez vendre vos vacances indiennes, à mon avis, vous vous trompez. Ouh! C'est toujours comme ça dans votre boulot? Non, il y a des jours que c'est pire, d'accord? Et en plus, il fait mauvais, hein? Toi? Oui. Et là, en la faisant glisser sur les autres, tu dois ramasser le reste. Allez, on y va. Quelle honte, quelle honte. Merde. Mais c'est du rap, ça. Écoutez. Ah, oh, ouais. Hein? Attendez. Ah, c'est ça. Écrivez. Louis, c'est... À l'appareil. Laissez tomber. Tribunal. C'est fric. Autant à toi. Crame ton usine. Dimanche. Allô, pipi. C'est tout. Hé, hey, c'est quoi le nom de Besson? Louis. Vous voulez sa photo? Alors c'est lui. Et la voix, ça peut être son complice. Je l'ai piqué. Et Scrunch, c'est qui à votre avis? Très drôle. Mm-hmm. Venez. Il est pas sympa. Mais qu'est-ce qu'il a? Alors on lui colle la honte. En clair, on lui fout les boules. Les boules, hein? Allez. C'est vous. Me touchez pas, je vous préviens, je déteins. Alors? Les petits Besson, vous l'avez fait parler? Sa mère s'est cassée avec un mec, il crache avec son pater et il savait pas que l'usine avait cramé. En résumé, ses parents, ils sont divorcés. Très intéressant pour la quête. Hein? Vous ferez mieux de faire la stage comme assistant social, rien d'autre. Si! Le môme est regretté de pas avoir foutu le feu à l'usine. Et puis si ça vous va pas, vous n'aviez qu'à l'interroger vous-même. J'aime pas qu'on me parle sur cet homme. T'es pas mon père, alors ça suffit! J'ai eu toujours de la chance! Ah, très drôle! De toute façon, moi j'arrête les dégâts, je me tire! Votre enquête, je m'en fous. Et vous voulez que je vous dise, je m'en tape de votre ami Besson et de vos assurances à la noix. C'est tout? Non, c'est pas tout. Voilà, si vous voulez parler à une femme, vous appelez celle-là. Elle est libre. Les coordonnées de Madame Besson. Très intéressant. C'est vrai. Je vais parler avec une femme. Ça me changera la vie. Si vous voulez que je vous dise, vous êtes un... Les mecs comme vous, ça me déglingue. Ah oui?
Bon, très bien. Dans ce cas-là, je ne peux pas vous garder. Ciao. Pauvre nul. Bonjour, pardon. Oui, alors oui, à propos de ce dossier, j'ai retrouvé le propriétaire de la voiture qui a embouti la Rolls. Oui, Sylvain Cabezas. Ça va lui coûter cher, hein? Oui, oui. Vous savez bien que c'est la fille du président Lagnier. Je sais surtout qu'il m'énerve et qu'il est plus doué pour les langues que pour les assurances. Rattrapez-la. J'ai passé l'âge de sachet l'Indien, hein? Essayez tout de même. Je vous préviens, Isabelle, hein? Si ça recommence, sera elle ou moi. D'accord? Alberto. Si? Rattrape-moi Marion et dis-lui que je l'attends ce soir au restaurant Sud-Ouest. Rue Gustave Flaubert, à 21h précise. Mais on devait aller au Paradis Latin. Qui on? Moi et Marion. Bon, tant pis, je mangerai seul. Soyez gentil, faites ce que vous dit Aldo, allez la chercher. C'est pas vrai. Venez avec moi. Quelle belle journée, hein? J'ai reçu le rapport de police qui conclut que c'est bien un rôdeur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois pas. C'est pourtant bien le corps d'un rôdeur qu'on a retrouvé brûlé dans les décombres. Et comment sait-on que c'est un rôdeur? Mais qui voulez-vous que ce soit? Je ne sais pas. Mais les affaires de Besson marchaient bien, je vois aucune raison. J'ai récupéré une cassette à moitié brûlée. Il venait dans le répondeur de l'usine. Et les messages laissent à comprendre que... Quelqu'un lui veut du mal. Et puis, il y a une lettre. Cette lettre était retournée à M. Besson. Depuis 76 que tu me fais chanter? C'est bien un chantage, alors? Eh oui, mais il refusait de céder. Alors, vous croyez qu'il aurait pu mettre le feu lui-même pour toucher la prime d'assurance et payer le maître chanteur? Non, c'est absurde, il a refusé de payer, donc il n'a pas besoin de cet argent. À moins qu'il a renoncé et que ce soit le maître chanteur qui a mis le feu. Tu viendrais avec moi ce soir au Paradis Latin? Au Paradis? Oui. Eh bien, bien sûr. C'est vrai? Oui, oui. Génial. Oui, inspecteur. C'est monsieur Besson. Il vient tous les dimanches midi avec son fils. Et... Mais je l'ai déjà dit à la police. Il a de la barbe maintenant. Et ce dimanche? Ah, ce dimanche? Eh bien non, il est venu seul. Ouais, sans doute, le petit était chez sa mère. C'est que... divorcé. Et il est venu à quelle heure? Ah, tard. C'était la fin du deuxième service. Remarquez, il est reparti sans manger. On lui a téléphoné. Et vous avez rien vu d'anormal? D'anormal? Attendez. Ah si! Il est arrivé en voiture et pour repartir, il a appelé un taxi. Et vous savez quoi? Non, mais vous allez me le dire. Eh bien non, ce n'était pas sa voiture. J'allais vous le dire. Alors, remarquez, si on réfléchit, c'est normal qu'il l'ait laissé, puisque ce n'était pas la sienne. Dites, inspecteur, je n'ai pas l'habitude de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais vos collègues étaient beaucoup moins professionnels. Et puis, tiens. Ça va comme ça? Je fais pas trop tâche? Vous êtes ravissant. On boit quelque chose ou on va dîner tout de suite? On dîne tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Maître. Ah! Prenez la banquette, vous êtes le plus vieux. Ça ne déplaît pas à tout le monde. Faites discret parce que je vois tout. Oh oh, vous allez vous l'aider très jeune, sourire comme ça. Vous avez choisi? Non. Champagne. Champagne de table d'hôte. Sur votre maquette, vous êtes plutôt jolie. Vous n'enlevez pas votre chapeau? Oh, ça va, ça prend pas. Il vous plaît pas, mon chapeau? Si, si. Mais pour manger... Enfin, vous faites comme vous voulez. Vous mangez quoi? Alors? Eh bien, écoutez, Besson a déjeuné ici le dimanche de la samedi. Donc, on est ici pour l'enquête? Ben oui. Un vieux monsieur comme moi, s'il n'a pas de vraies raisons, il ne peut pas inviter les jeunes filles.
Et ça, c'est une de mes raisons. Qu'est-ce que c'est? Une de mes raisons. Eh, mais c'est dégoûtant, votre truc. Mais... Dégoûtant? Je vous le change immédiatement. Désolé. Mais quel con. Pas une table 12. Eh, c'est dégoûtant de piquer. Ah, vous voulez le courrier? Mais non, simple réflexe professionnel. Mais rassurez-vous, je la lui rendrai demain. Mais je crois que j'ai eu raison. Lisez. Merci. Oh ben merde alors! Je te préviens, le petit est à moi aussi. Tu ne peux pas m'interdire de le voir. Si tu continues, je saurai quoi faire. J'ai peut-être mon mot à dire sur l'incendie, mais c'est super hard ce truc-là! Fait. Tout ceci ne prouve pas grand-chose, sauf qu'une chose. Le petit Besson n'était pas avec sa mère dimanche. Vous êtes fort, vous, hein? Vous irez loin. Tout ceci est super compromettant. En plus, on le faisait chanter. Donc c'est lui, il avait besoin de fric. Pas sûr, il refusait de payer. Je vous rends les coordonnées derrière la photo de Madame Besson. Vous irez l'interroger. Sans peinture de guerre cette fois, d'accord? Je me sape comme je veux, compris? Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Et moi, je vous garantis que c'est lui. Alors, je vais aller interviewer sa bonne femme. Et s'il faut, ça coûte centiaque dans le nez que je vais lui faire dire les... Non, faut pas parler comme ça, hein. Je jacte comme je veux. C'est très laid, hein, vous, les femmes. Macho. Mais pourquoi vous êtes si nerveux pour une histoire que ça vous intéresse pas? Il faudrait savoir ce que vous voulez, vieux. Je suis en stage, oui ou merde? Merde. Vous aimez les scandales, hein? Très bien. C'est une malade. C'est Marion Lanier. Marion Lanier, une malade. La fille du président Lanier. Il vient d'avoir une crise. C'est une folle. L'addition, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Réponde. J'entends rien, parle plus fort. On est allé parler la terre, mais je suis... Ah, voilà, c'est ça, t'as picolé, t'as mal au crâne, hein? Et vous, c'est une propriété privée ici, c'est chez moi. Hein? Ben, dis donc, si vous l'avez chaté comme ça, et vous enroulez, hein? Aldo Bocamp, espère de votre assurance. Mon fils m'a dit que vous étiez passé hier chez moi. Si vous saviez ce qu'il m'a raconté, il jurait qu'il avait attrapé une indienne. Les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Ouais. Ils voulaient parler sans doute de mon assistant. Ouais. Alors, pour l'assurance? Bon, il y a une demande d'expertise. Alors, je voudrais poser quelques questions. Ben, allez-y, je vous écoute. Connaissez-vous les rôdeurs qu'on a trouvé morte dans l'incendie? Les rôdeurs? Oui, les rôdeurs. De quoi parlez-vous? Non, bien sûr, je ne le connaissais pas. Ah, c'est Besson. Le téléphone de votre voiture vous appelle. Ouais. Comment allez-vous? À pied. Très drôle. Hey. Allô, oui. Vous avez connu l'ex-femme de M. Besson? Bien sûr. Mmh. Ah, me demandez rien sur la vie privée, hein. À moi, c'est comme la propriété, hein. Chacun chez soi, des rideaux aux fenêtres, et pas en nylon, hein. Et justement, je voulais savoir si son bas était nylon. Non! Oh! C'est une femme bien, dit Besson, hein. De la soie, elle porte, monsieur. Des bas de soie. La pauvre. Et de quoi vous vous mêlez, vous? Je suis là pour bosser, moi. Pas pour bavasser. Je comprends. Et si les affaires, il allait bien? Oui, ça marchait bien, oui. On allait même déménager pour s'étendre. Hein? Ah, déménager. Non, non. Mais non, écoute, Alice. Non. Non, mais ça peut pas attendre. Qu'est-ce que c'est? Écoutez. Ah, oh, j'entends. Ah, je connais cette voix, hein. C'est celle de l'ex-associé de M. Besson, là. Cabezas. Sylvain Cabezas, oui, c'est ça. Cabezas. Mais de toute façon, ça ne vous regarde pas, vous. Oui, oui. Bon, à tout à l'heure, oui. Oui, je suis à l'entrepôt, oui. Mais tu te calmes! J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Quoi de vin, venez ici! Vous
dis donc. Je vois qu'il ne s'arrange pas, hein. Remarquez que vous aussi, vous avez l'air pas bien. Tiens, prends des taxis, rentre au bureau. Je te rejoins tout à l'heure. Alors, monsieur Besson, avez-vous une idée sur la façon dont l'effet a pris? Les flics ont fait leur prélèvement. Vous n'avez qu'à vous adresser à eux. Monsieur Bocampe. Bocampe. Aldo Bocampe. Eh bien, vous comprendrez que pour payer l'assurance, il doit faire sa propre enquête. Oui, mais enfin, si c'est le rôdeur qui a mis le feu, vous payez? Bien sûr. Si c'est accidentel. À moins qu'on l'a mis là pour faire croire un accident. Ou qu'il s'agisse de meurtre. Quoi, un meurtre? Si c'est accidentel, nous payerons. Ah. Au revoir, monsieur Bocampe. Mmh. Dites, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous faites semblant d'écrire dans votre carnet? Vous avez du feu? Un très sympathique. Oh merde! Eh ben c'est comme ça qu'on met le feu. Eh oui. Ah, c'est toi. Bah, c'est tout l'effet que je te fais. Mais j'ai fait un effort. Je voudrais une aspirine, s'il te plaît. Une aspirine. Fais plus doucement, s'il te plaît. Un peu plus fort. Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui. Merci. Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Oui. Bah, c'était pour te remercier pour le Walkman. Ah oui? Oh, t'es gentille. Et tu penses à m'aller, ça? Normalement, c'est ta taille. Il faut que tu l'essayes. Je t'adore, Marion. Merci. Mal. Et je vais beaucoup mieux maintenant. Mais on ne dirait pas, hein? Enfin, autant que tu ne te maquilles pas, où tu vas? Eh bien, chez toi. Je pensais faire une petite sieste. Bon, va te reposer, va. Et change-toi. Ça y est, c'est lui. On y va. Bonjour. Vous êtes en relation avec le répondeur de la GAF. Groupement Mademoiselle d'assurance. Monsieur. Décidément, tout le monde se déguise aujourd'hui. Ben, j'avais cru comprendre hier soir que vous n'aimiez pas ma petite robe noire. Eh bien, vous vous trompez. C'était très drôle. Alors, vous m'en voulez pas? Moi, non. Mais ceux qui attendaient de vous voir mieux, si. Bien. Si on travaille un peu. Allez, alors je coupe, hein. Oui, on va résumer un peu tout ça, hein. Ah, j'ai vu Madame Besson. Vous voyez, quand vous voulez. On joue à quoi? Avec vous, c'est vraiment à la bataille. Eh bien, vous gagnez, vous parlez. Alors? Edith Besson est une femme au bout du rouleau. Son mari l'empêche de voir son fils depuis 6 mois parce qu'elle boit. Et elle boit parce qu'elle ne voit pas son fils. À mon avis, ils ne vont jamais s'en sortir. Il bevait peut-être déjà avant. À votre avis, il y a quelque chose à voir avec l'incendie? Non. Elle ne savait même pas que ça avait brûlé. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans? Non, non. En plus, elle est tellement déjantée que ça m'étonnerait. Puis elle m'a dit que Besson n'avait pas de problème d'argent. Je sais. L'entrepôt marchait très bien. Il est barge d'y avoir mis le feu, alors. Mais non, c'est pas sûr. La prime pouvait l'aider. J'ai gagné. Excusez-moi. Eh, mais vous trichez, là. Vous êtes prêt à n'importe quoi pour gagner. Mais non. Je joue avec les peu de cartes que nous avons. Madame Besson et Monsieur Besson. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, hein. Enfin, moi, il me semble qu'il y a une autre femme là-dessous. Quoi? Comment? Eh oui, j'ai mes indices.
C'est Alberto qui m'a dit que Besson avait rendez-vous avec une autre femme. Où? Quand? Aujourd'hui, à l'entrepôt. Bien. Nous allons vérifier ça. On ne sait jamais. Ah, vous êtes encore là? Vous ne déjeunez pas? Vous êtes jolie aujourd'hui. Merci. Ah, j'ai embouti hier une voiture. En sortant du restaurant, j'étais un peu... émue. Oui. Enfin, maintenant, ça doit être le propriétaire qui doit l'être. Mais j'ai pris son numéro pour l'assurance. Sylvain Cabezas. Quoi? 423 XJT 75. Cabezas, c'est lui qui a embouti la roche de Madame de la Roche dimanche rue Gustave Flaubert. Ah, je savais, j'avais déjà entendu ce nom-là, moi. Cabezas. Cabezas et Besson, ils fréquentent le même restaurant, le même jour, avec la même voiture. Ils font un drôle de tandem, ces deux-là. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Calme-toi, calme-toi, j'arrive. Bon, vous allez à l'entrepôt. Je vous retrouve. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais Alberto avait l'air paniqué. Aldo, Aldo, regarde-nous. Et Aldo, c'est comme ça? Non, c'est comme ça. Comme ça, hein? Ouais, ouais. Apprends bien, hein? Ciao. Dis-moi, comment il s'appelle le type là-bas? Aldo. Aldo comment? Aldo la classe. Aldo Bancampe. C'est pour me faire une démonstration que tu m'as fait venir? Non, non. C'est Joséphine. Joséphine à quoi? Elle sait. Elle sait? Elle sait. Oh, Joséphine! 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 Ah, te voilà. Allez, viens. Viens. Allez. Bravo, Joséphine. Tu sais très bien que ta maison, c'est pas là, mais c'est ici. Voilà. Là. Bravo. Oh, tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Alors, Joséphine, on lui dit, hein? Il est allergique à l'herbe, non? On ne peut pas la laisser comme ça. Alberto, j'ai retrouvé Joséphine. Viens t'échanger, ne reste pas comme ça, tu prends froid. C'est incroyable, hein? Rien que ton homme se verra malade. Alberto! Alberto! Si tu n'annonces pas, on va te casser, papa. T'es allé trop loin, là. Alors, si tu ne laisses pas tomber, ça en est fini de ta carrière. Et puis, pense à tes amis, il pourrait leur arriver un accident fâcheux. Hein? Capito? Ciao. Allô? Ah. Je pense qu'il me fait peur à moi. Marion. Alberto, viens vite. Marion est peut-être en danger. Besson a engagé des types. Ici, hein? Tu crois qu'elle lui est arrivé quelque chose? Ben, je sais pas, va savoir. Tu avais entendu ce type au téléphone. Marion! Tiens, tu as perdu une carte. Je perds jamais, moi. Je l'ai mienne, regarde. Marion! Et ça ne nous dit pas où est Marion. Marion est là. Marion! Alberto, rattrape la carte. Oui. Allez, rattrape la carte! Alberto, arrête de faire les clous, hein? Ça y est, je l'ai! Derrière, il est écrit: suivez la femme, c'est une dame de cœur! Rendez-vous, bord de la Tournelle! Passionnant, je la m'aime! Allez, viens! Mais où on va? Je sais pas, moi, qui c'est? Hein? Peut-être après on a rendez-vous sur la Tour Eiffel. Tu veux mon avis? Cette gamine, il nous met un bateau. Ah, les bateaux mouches! Ça serait bien, les bateaux mouches. J'adore ça. Ça suffit, hein? Je te préviens que je n'inquiète sur les dômes. Et que pendant mademoiselle nous fait visiter Paris, Besson, il peut brûler tous les usines qu'il veut. Cherchez la femme, cherchez la femme. Là, attention, elle est là, elle est là, elle est ici, elle est là, elle est là. Elle est ici, elle est où? Là. Suivez la femme, cherchez la femme.
Tentez votre chance, messieurs. 500 francs sur la dame de cœur. Voilà, Paris. C'est bon, c'est jeu, c'est femme. Tentez votre chance, messieurs. Oui. Attends. Je n'essaie de perdre de temps, moi. Marion Lanier, vous connaissez? Ah, ben, dis donc, vous en avez mis du temps. Pourquoi ça? Ah, ben, Sona des Vikings, elle vous y attend. Sona? Pourquoi pas? Allez, on y va. Eh, ici... Ah, oui. Il faut jamais oublier la guide, hein? Mais quoi? Bien, merci, bien. Mon prince. Alors, on continue. Tu sais, Jojo, je suis pas sûre qu'on arrive à en piéger beaucoup. Allez, joue, maman. On sait jamais. Suivez la femme, suivez la femme. Attention, elle est ici, elle est là, elle est là, elle est ici. C'est humide. Oui. Ça sent mauvais, en plus. Ah, cherchez la femme. Alors, toi, tu vas baisser le ton, hein. Mais je fais ce que je veux. Mais parce que quand tu vas voir ce que j'ai à te dire... Mais qu'est-ce que... Dis-le. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, déjà, je suis ici pour te faire... Ça va, ça va, ça va. Bah, me regardez pas comme ça, vous allez avoir chaud. Oui. Je vous avais dit de les surveiller. Mais de là, les suivre jusqu'à dans son intimité. Il n'est pas seul. Sa femme? Non. Bon, Alberto. Hein? Va prendre les sacs. C'est parti. Je l'aime bien, votre neveu. Oui. Un jeune, j'aime fou. Trois choses que j'aime. Quoi? Les jeunes, les chiens et les fous. Mamma mia. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Je croyais que c'était vous que vous m'avez donné rendez-vous ici. Tu trouves ça gênant? Vous me tutoyez maintenant? Chut, je lis sur les lèvres. Non, c'est pas ça. Pourquoi tant de mystère? Il a disparu le jour de l'incendie de ton entrepôt. Mais qu'est-ce que t'insinues? Je n'insinue rien. J'affirme. Excusez-moi, nous sommes dans l'Anse. Il n'est pas venu au rendez-vous. Tu trouves ça normal que tu revoies ton ex-associé que tu n'as pas vu depuis 10 ans et qu'il disparaisse le jour de l'incendie de ton entrepôt? Ça suffit, Foulcan. Tu t'en tireras pas. Pas comme ça. C'était pas tant. Qu'est-ce qu'on fait? On la suit. Allez. Hé! Hey, le boxeur est en train de se tirer! Suivi. On est suivi. Ça va, on est suivi. Besoin de partir vite. D'accord. Je
peux savoir où vous allez? Interroger la bonne femme. On s'en contente de son nom. Pour le reste, on voit ça plus tard. Cabezas. Hein? La femme de l'ex-associé de Besson. Vous vous souviendrez? Je suis pas débile, hein? Je suis pas débile, hein? Camp, à Turin, t'as intérêt à te coucher au sixième round. Sinon... Là, les filles, on se tire! Mais Alberto! Ne vous inquiétez pas pour lui, je m'en occupe. Mais les flics vont l'embarquer. Et alors? Il va finalement visiter un commissariat français. Et pourquoi on fait rien? Une, parce qu'on est suivi, je ne sais pas pour qui. Deux, parce qu'il y a deux chances sur deux que les flics ne veulent rien comprendre à notre histoire. Et trois, pourquoi finalement Alberto ne risque rien du tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait alors? On va téléphoner. Mais à qui? Aux flics. Aldo! 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 Il y a Alberto qui est au commissariat. Ça commence vraiment à devenir intéressant. Et je vois pas pourquoi on va pas interroger cette Alice Cabessa ou Besson. Ça serait quand même un petit peu plus... Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Odin, ça va? Salut Aldo. Ça va? Oh, ben voilà autre chose. J'ai ton loustique. Me dites pas bonjour, j'ai les mains moites. C'est à moi que vous parlez? Ah, parce qu'en plus, faut pas vous parler, peut-être. Mademoiselle Lanier est un stage à l'agence. Mademoiselle Lanier, l'inspecteur d'Anstever. Tu recrutes dans les centres de redressement? C'est mignon, hein? J'ai pas à plaire, je peux me défendre comme je veux. Je n'en doute pas, mademoiselle. Mais avec moi, vous allez tomber sur un os. Oh, calme-toi, mon vieux. Ok, ok, je vais pas mettre la panique dans le club du troisième âge. Il est où, Alberto? Je m'en occupe. En attendant, vous buvez un café. C'est mignon. Me dis pas que c'est la fiancée de ton neveu. Mais non, je te dis qu'il y a un stage chez nous, c'est clair? Non, c'est comme ton neveu. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Du tourisme. Suivre une femme avec ta voiture, tu appelles ça du tourisme? Non, t'as raison, tu sais. Alors, c'est elle qui vous appelait? Bien sûr. Il doit être nerveuse après la disparition de son mari. Disparu? Qui a disparu? Son mari, Sylvain Cabezas. Mais toi, tu peux pas être au courant de tout, n'est-ce pas? Vérifiez-moi si un certain Sylvain Cabezas, époux de... Alice Cabezas. Pavillon des Lilas, où est disparu? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Mais rien, rien. Allez, qu'est-ce que tu fous là, toi? À votre avis? Aucune disparition, au chef. Vous êtes sûr? Sûr. Mon pauvre Aldo. Ça alors? Bon, mon neveu, tu me le rends? Alberto Bocamp. Je te préviens, la prochaine fois, je le garde. Merci, t'es un frère. Tu sais que tu m'inquiètes, toi? Non, dis-moi une chose. Mais enfin, il n'y a aucune loi qui interdise les économies de tissu. Ouais, c'est ça, la biche. En parlant, on va te soigner. Alors, ça va? Pas trop, hein? Marion! Non. À propos de l'incendie des usines Besson, de l'analyse, qu'est-ce qu'ils disent? Les analyses? Marion, rien. Comment tu te sens? Pas bah, c'était dur, hein? Ah bon, je t'aurais bien fait un café, mais ça marche pas. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Ça marche pas. Mais enfin, attends, hein? C'est pas parce que tu t'occupes de l'incendie qu'il faut à tout prix qu'il soit original. Et puis, qu'est-ce que ça va avec Abéga? Waouh, c'est le jackpot! C'est mieux que le casino ici, hein? Amène ces manteaux de suite. T'es loin, sinon. Je vais tout aller. D'accord. Hé, hey, tu m'as pas répondu au sujet de Cabezas. Ah, désolé, mon vieux, j'ai pas le temps, hein. Tu sais qu'est-ce que c'est, les enfants. Allez, ciao, Jerry. Il y en a plus. On y va? Allez.
c'est les gars qui nous suivaient. Plus tard, hein. Qui c'est? Oui, comme voyant, tu ne vois pas très bien. C'est le boxeur, son oncle et l'assistant de son arrête, oncle. Arrête, arrête, tu la vois embrouillée. C'est... Oh, c'est vous. C'est le chapeau qui m'a perturbé. Me demandez qui était ce chapeau. Et vous comprenez, ça embrouillait tout. Pour le reste, j'ai tout compris. Excusez-nous de vous avoir perturbé. C'est la boxe. Et la boxe et le feu, ça n'a rien à voir. Merci. De rien, monsieur. J'ai tout vérifié. Le feu, ça concerne mon voisin, monsieur Besson. Ça, je le savais déjà, hein. Ah bon? Mais alors, les espions, c'était vous? Ne me dites pas que c'est de chez moi que vous allez surveiller mon voisin. Ben, on ne vous le dit pas, mais... Mais vous allez le faire. D'ailleurs, c'est écrit dans les cartes. L'espion au chapeau va faire injure à une femme. Et cette femme, c'était moi. Eh bien, vous pouvez toujours prendre une revanche. Les sciences humaines contre la technologie. Pourquoi pas? Et quel meilleur gagne. Bon, ok, je vais être au bureau. Essayez de nouveau, vous m'appelez. Au revoir, madame. Bonjour, la maladresse. Excusez. Oh, vous en loupez pas une. Quelque chose que ça va pas, mademoiselle Lanier? Ah non, pour elle, tout va bien. Elle va partir en voyage. Eh bien, tant mieux. Rien d'autre? Besson croit connaître le corps calciné. Quel corps? Et le corps du feu. Et quoi le connaître? Et pourquoi connaîtrait le rôdeur? Mais il n'y a pas de rôdeur. C'est ça. Oui. Il y a des rôdeurs. Cherchez bien. À tout à l'heure. Ciao. Alberto n'est pas avec toi? Non, il est avec une fille. Marion? Oui. Dis donc, tu vas pas faire une dépression, non? Tu le vas voir bientôt, ton pote. Tiens, Julien, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me fasses un coup de fil à téléphone. Et pourquoi moi? Pourquoi t'as pas l'accent italien? C'est vrai, mais... Mais c'est vrai. Ah. Allô? Le laboratorio? Laboratoire. Oui, pardon, le laboratoire? Oui, bonjour, oui. Oui, je vous appelle de la part de l'inspecteur... Stiberg. C'est Dan? Dan Stiberg. Oui, oui, Dan Stiberg, oui. Oui, c'est à propos des prélèvements faits sur l'incendie Buisson. Besson. Besson, Besson, Besson. Oui, Besson avec un E, oui. Comment ça, il vous faut une autorisation du juge d'instruction? Les autorités. Vous voulez couvrir des criminels? Vous savez très bien où ça peut vous mener? Rappelez-moi votre nom. Pardon? Ah, bon, oui. Je préfère, oui. Oui, c'est ça, j'attends. Ils sont partis chercher le dossier. Pardon? La seule chose dont vous soyez certain, c'est que le rôdeur avait un pied beau. C'est bien la peine d'avoir un laboratoire aussi perfectionné pour découvrir des indices aussi minces. Je ne vous félicite pas, monsieur. Oh. Alors là, je l'ai séché, le mec, hein. Alors là, j'ai été... Bravo. T'inquiète pas, si ça marche pas, je dirais que c'est toi. Ah bah, voilà, elle est bonne, celle-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure du siècle. Il va bientôt recevoir un coup de fil. On est prêt. Ça y est. C'est parti. Allô? C'est moi, Alice. Qu'est-ce que tu me veux encore? Une compensation pour mon silence. Mais je n'ai pas vu Sylvain. Est-ce que je préviens la police? Elle a perdu sa boule. Combien? 1 million de francs. Je savais bien que c'était une grosse somme d'argent. Débrouille-toi avec l'assurance. C'est Fernand. Je suis au 42 89 6000. À bientôt. Déjà? Tu fais vite? Bonjour, madame Cabezas. Ah, excusez-moi de vous avoir effrayé, mais j'ai frappé et ça répond de personne. La porte était ouverte. Qui êtes-vous? Aldo Bocamp, experte en assurance. Non, je vous remercie, monsieur, je n'ai vraiment besoin de rien. Rassurez-vous, je viens de rien. Je m'occupe de l'affaire Besson. Louis Besson? Si, vous connaissez? Oh,
Oui, enfin, c'était l'associé de mon mari. Je vous parle de ça il y a 10 ans, hein. Depuis, je l'ai jamais revu. Ah. L'entrepôt de M. Besson était victime d'un incendie qui, je pense, va être très naturel. Et vous pensez qu'il aurait pu l'incendier lui-même? Mm-hmm. 10 ans, il n'aurait jamais fait une chose pareille, mais bon, les gens changent. Allez, change. Vous attendiez quelqu'un? Non, pourquoi? Alors, comme ça, j'ai cru. Tout à l'heure, vous me parlez comme si... Ah, vous attendiez votre mari? Non, mon mari est sorti. Non, c'était... je pensais que c'était Bastien, fils des voisins. Ah oui. Bien souvent ici. Eh bien, merci, madame. Excusez-moi de vous avoir effrayé tout à l'heure. Mais de rien. Vous vouliez me voir pourquoi? En quoi l'incendie de Besson concerne-t-il? Ah, rien. Simple enquête de routine. Vous savez, dans mon travail, on fouille un peu partout. On n'aime pas payer trop les primes d'assurance. Alors on fouille. Je comprends, oui. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Madame? Mais... Quoi? Vous regardez trop Colombo, hein? La télévision, vous savez. Je comprends, monsieur le président. Absolument, monsieur le président. Mais il n'est pas question que votre fille prenne des risques, monsieur le président. Très bien, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Au revoir, monsieur le président. C'était le président? Gagné. Mais ça va pas, vous êtes taré ou quoi? T'as fait sauter les plombs, Pépé, hein? Alors, votre papa est content de vos petits rapports? Quel rapport? La pupille de son papa qui raconte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Vous savez pas qu'elle inquiète cette top secrète, mademoiselle la fille du président? Mais il s'en fout, mon père, de votre agence. Je raconte mes journées de boulot, c'est tout. Oui, j'ai horreur des gens qui parlent. Surtout quand leur papa est le président Lanier. Ah, vous avez la parano envahissante, vous, hein? Oui, c'est ça. C'est que votre papa a peur que vous preniez des risques. Alors, comme je ne vais rien avoir avec lui, dorénavant, vous resterez à la maison, vous tricotez, vous allez... Attention, vous allez tomber. Et merde! Tenez votre merde d'enregistrement de Besson, et puis continuez sans moi. Votre neveu lui file le train, voyez bien, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes un con! Vous avez oublié vieux. Vieux con. C'est mieux. Je m'excuse. Bon. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez les chemins. Aldo! C'est un danger public. Allô? Virginie? Bonjour, c'est Aldo. Des messages? Alberto? Ok, c'est noté. BGI. La banque BGI. Quelle rue? Ok, merci, Virginie.
Monsieur Beaucamp, de la GAF, je crois. Vous avez demandé à me parler. Oui. Monsieur Besson est venu vous voir. Je voulais savoir les motifs de sa visite. Trahir le secret professionnel n'est pas le genre de la maison. Monsieur Besson est un très bon client. Alors vous comprendrez qu'il y a des choses. Mais c'était juste un échange d'informations entre mon agence et la vôtre. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Besson? Je vous entends plus parler. Moi non plus. Comment peut-on faire? Parlez plus fort. Vous pouvez? Oui. Pas vous? J'ai déjà essayé, mais je me suis démis l'épaule. Ah! Alors ne prenez plus de risques. Merci, monsieur. C'est l'assurance que je représente rembourse à l'usine de monsieur Besson 7 millions de francs lourds. Vous aimeriez qu'il les dépose sur le compte qu'il a chez vous? Bien. Il me demande de lui verser 1 million dans 24 heures et en espèces. Et vous allez lui donner? Je n'ai encore rien décidé. C'est pour la demande de découvert. Qu'est-ce que je... Non! Renseignement confidentiel. Oui, allô. C'est Aldo. Vous? Mais... Je ne vous dérange pas, au moins. Non, non, pas du tout. Je me disais que vous n'êtes pas les gens à vous coucher avec les poules. C'est rien. Vous avez des invités? Oui, c'est mon anniversaire. Ah, alors bon anniversaire. De quoi vous tu parles? Vous avez soufflé les bougies? Mais c'est qui? Si je dérange, je peux me tirer. Mais je te dis que c'est rien. C'est mon père. Salut, elle est de ma part. Vous voyez que ton je père. N'ai pas de rancune. Ton père, hein? Un de tes amants, c'est ça? Un autre? Mais t'es malade, hein? Quelqu'un de malade? Oui, un copain qui a mangé trop de gâteaux. Bon, ça va, j'ai compris, je me tire. Mais non. Non, tu me prends vraiment pour un con, écoute, quoi. T'es trop, là. Ouais, trop, trop con, c'est ça? Eh ben là, franchement, oui. Ben, je me tire. Salut. Oui, oui, je suis toujours là. Ah, alors il y a un problème? Non, non, ils ont un peu bu, c'est tout. J'ai besoin de dossiers qui concernent Besson. Et c'est chez votre père qui se trouve. Un dossier, maintenant? C'est urgent. De toute façon, comptez pas sur moi pour espionner mon père. Ça peut pas attendre demain? C'est pas pour espionner. Pour le bien de l'enquête. Eh ben, vous n'avez qu'à lui demander. Vous avez la trouille ou quoi? L'affaire Besson a des ramifications partout. Je ne suis pas à votre disposition. Alors vous venez? Non. Merci. Et voilà. Il m'a fait foirer ma nuit. De toute façon, l'autre, je voulais le larguer. Et ben, comme ça, c'est fait. Bon, on va tout résumer. Alors... La femme de Cabessas, son ex-associé, elle menace Besson. Et demande sa brigue à sa banque. Elle menace depuis l'incendie. Donc, il a quelque chose à se rapprocher. Depuis le sinistre ou avant le sinistre. Il peut avoir mis le feu, et si elle le dénonce... Mais non. Son entreprise marche bien. Par contre, son associé, il aurait pu avoir envie de le faire disparaître. Le feu, c'est bien. Pas de possibilité d'identifier le cadavre. Sauf quand il y a un pied beau. La femme de Cabès accuse Besson d'avoir tué son mari, qui aurait pu être le rôdeur. En plus, un employé affirme que la voix du répondeur était de Sylvain Cabès. Et Besson conduisait peut-être la voiture de Cabès le jour de l'incendie. Pour faire disparaître les preuves, qui sait? Ouais, mais quel délire, c'est un vrai polar américain! Merci pour les tuyaux. On y va. On n'a rien appris de neuf, hein. Mais si, rappelez-vous, la lettre chantage. Besson, il parlait de l'année 1976, il faisait référence. Ah oui, depuis 76 que je paye. Voilà. Donc le maître chanteur ne peut être que c'est Sylvain Cabessas. Et puis j'ai pris d'autres choses. Ah ben là, je vois pas. Que vous êtes amphibien. Je connais pas beaucoup de filles qui restent tombées sa soirée d'anniversaire pour venir travailler. Bravo. Alors je peux continuer l'enquête? C'est votre père d'accord? Mon père, mais c'est rien, mon père, alors... Bon, alors vous prenez Besson en filature. Mais comme vous ne devez pas prendre des risques avec Alberto comme garde du corps. All right? C'est pas...
partie. C'est ton mariage, un klaxon en général. Monsieur Bocamp, regardez les trois hommes en rouge, est-ce qu'ils m'ont... Vous allez rire. J'ai cru que vous avez employé ce type pour m'empêcher d'amener l'enquête. Et pourquoi j'aurais fait ça? Remarquez, ça vaut mieux parce que ça ne va pas rester grand-chose. Hein. Allez, Alberto! Vas-y, Alberto! Et la fille? Ma stagiaire. Pas mal, hein? Alors, ces millions de francs, vous l'avez trouvé? Vous êtes au courant? Oui. Qui vous faisait chanter avant l'incendie? Vous êtes au courant aussi? Oui. Alors? Je sais pas comment vous avez eu ça, mais... mon ex-associé, Sylvain Cabezas, avait imité ma signature quand nous travaillions ensemble. Et les papiers, c'était compromettant pour vous. Et menacé de tout révéler. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, alors il y a prescription. Oui, et aujourd'hui, c'est sa femme que vous fait chanter. Pourquoi êtes-vous prêt à payer Alice Cabezas? Je comprends plus rien, moi. Allez, Alberto! Je l'ai vu mort dans les flammes de mon entrepôt. Et il voulait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, moi, j'ai refusé. Et puis, elle a commencé à tout casser, à mettre le feu. Alors, moi, j'ai voulu l'arrêter, il est tombé. Et j'ai pas pu le sortir de là, moi, vous comprenez? Alors, c'est comme si je l'avais tué. Mais il n'avait pas de pieds beaux. Eh ben non, il n'avait pas de pieds beaux, je sais pas. Allez, Alberto, de gauche! De gauche! Vous n'allez pas l'aider? Il n'a pas besoin. La voiture de Sylvain Cabezas avec Gustave Flaubert. Et la rôle de Saint-Bouty, c'était vous? Ah oui, j'ai voulu vous fabriquer un alibi, alors je suis allé au restaurant où je vais tous les dimanches. Oh oh goal! Appelez Alice Cabezas de votre voiture et dites-lui que vous lui déposerez l'argent demain. Ah non, mais je sais pas si... Faites ce que je vous dis. Ah, Joséphine, il est allergique, tu le sais très bien. Allez, on y va. Mais non, c'est de la folie.
Mon intuition, plus la police, vous allez voir que ce n'est pas si fou que ça. Pronto, pronto. Allez, okay, ce n'est pas chargé. Grazie, okay. Juste un peu de mise en scène. Ciao. Figure-toi que les cas que j'ai descendus étaient des caïdes. Ça a impressionné. Tu te rends compte? Je n'ai plus à me coucher. Je vais pouvoir bosser tranquille et retourner m'entraîner à Turin. Et si tu perds? Ah, si je perds, j'arrête la boxe. J'ai pas l'argent. Si tu crois que tu me fais peur... J'ai pas le choix. Je te donne 48 heures pour le trouver. Ça va? Non. Fais pas l'imbécile. J'ai déjà tué Sylvain. Maintenant, je vais te descendre. Je suis plus à un près. Arrête. Arrête! Sylvain! Alors, c'est vrai, t'es pas mort. Eh bien, non. Et pourtant, tu l'as bien cru, hein? Alors, le cadavre qui... Un clodo qui a eu la bonté de mourir près de chez moi. Pratique, non? Il a fallu que je l'aide un peu. Si tu vois ce que je veux dire. Tu as tué ce pauvre type? J'étais criblé de dettes. Alors que toi, hein, tu trouves pas ça injuste? T'es complètement fou, Sylvain, complètement fou. Tu aurais mieux fait de payer, Louis. Police. Inspecteur Aldo Bocampe, expert en assurance. Bravo. Vous étiez parfait. Oh. C'est fini. Ah, voilà. 33. C'est là. Au revoir, Marion. Au revoir, Marion. À bientôt. On s'embrasse. Aldo, faut y aller, le train va partir. Je sais. Il faut aller, le train va partir. Mais vous ne partez plus? Non, je vous laisse la place. Et ça, c'est son cas qui est vraiment chic pour sortir là-bas. Non, vous déconnez là. Est-ce que j'ai tête à déconner? Allez, faut que j'aille. Merci. Ciao, Aldo. Ciao. Je passe par là. Ciao. Ciao, tonton. Hey, j'ai gagné le match, hein? Ah, ça, c'est promis. Ciao, zio. Ciao. Bon voyage, monsieur. Thank you.
commande d'expertise. Alors, je voudrais poser quelques questions. Mais allez-y, je vous écoute. Connaissez-vous les rôdeurs qu'on a trouvé morte dans l'incendie? Les rôdeurs? Oui, les rôdeurs. De quoi parlez-vous? Non, bien sûr, je ne connaissais pas. Ah, c'est Besson. Le téléphone de votre voiture vous appelle. Ouais. Comment allez-vous? À pied. Très drôle. Allô, oui. Vous avez connu l'ex-femme de M. Besson? Bien sûr. Amène-moi derrière sur la vie privée, hein. Pour moi, c'est comme la propriété, hein. Chacun chez soi et des rideaux aux fenêtres, et pas en nylon, hein. Et justement, je voulais savoir si son bas était nylon. Non! Oh! C'est une femme bien, dites Besson, hein. De la soie, elle porte, monsieur. Des bas de soie. Oh, la pauvre. Et de quoi vous vous mêlez, vous? Je suis là pour bosser, moi, pas pour bavasser. Je comprends. Et si les affaires, il allait bien? Oui, ça marchait bien, oui. On allait même déménager pour s'étendre. Hein? Ah, déménager. Non, non. Non, écoute, Alice. Non. Non, mais ça peut pas attendre. Qu'est-ce que c'est? Écoutez. Ah, oh, j'entends. Ah, je connais cette voix, hein. C'est celle de l'ex-associé de M. Besson, là. Cabezas. Sylvain Cabezas, oui, c'est ça. Cabezas. Mais de toute façon, ça ne vous regarde pas, vous. Oui, oui. Bon, à tout à l'heure, oui. Oui, je suis à l'entrepôt, oui. Mais tu te calmes. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Quoi de vin, venez ici. Et dis donc, je vois que ça n'arrange pas, hein. Remarquez que vous aussi, vous avez l'air pas bien. Tiens, prends des taxis, rentre au bureau. Je te rejoins tout à l'heure. Alors, monsieur Besson, avez-vous une idée sur la façon dont les faits ont pris? Les flics ont fait leur prélèvement. Vous n'avez qu'à vous adresser à eux. Monsieur Bocampe. Bocampe. Aldo Bocampe. Et ben, vous comprendrez que pour payer l'assurance, il doit faire sa propre enquête. Oui, mais enfin, si c'est le rôdeur qui a mis le feu, vous payez. Bien sûr. Si c'est accidentel. À moins qu'on l'a mis là pour faire croire un accident. Ou qu'il s'agisse de meurtre. Quoi, un meurtre? Ah. Si c'est accidentel, nous payerons. Ah. Au revoir, monsieur Bocampe. Mmh. Dites, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous faites semblant d'écrire dans votre carnet? Vous avez du feu? Un très sympathique. Père honte, ce truc-là! Enfin, tout ceci n'est pour pas grand-chose, sauf qu'une chose. Le petit Besson n'était pas avec sa mère dimanche. Vous êtes fort, vous, hein? Vous irez loin. Tout ceci est super compromettant. En plus, on les faisait chanter. Donc c'est lui, il avait besoin de fric. Pas sûr, il refusait de payer. Je voulais les coordonner derrière la photo de Madame Besson. Vous irez l'interroger. Sans peinture de guerre cette fois, d'accord? Je me sape comme je veux, compris? Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Et moi, je vous garantis que c'est lui. Alors je vais aller interviewer sa bonne femme. Et s'il faut, ça coûte centiaque dans le nez que je vais lui faire dire les choses. Faut pas parler comme ça, hein? J'injecte comme je veux. C'est très laid, hein, bouge de femme. Macho. Mais pourquoi vous êtes si nerveux pour une histoire que ça vous intéresse pas? Il faudrait savoir ce que vous voulez, vieux. Je suis en stage, oui ou merde? Merde. Vous aimez les scandales, hein? Très bien. C'est une malade. C'est Marion Lanier. Marion Lanier, une malade. La fille du président Lanier. Il vient d'avoir une crise. C'est une folle. L'addition, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Réponde. J'entends rien, parle plus fort. On est allé parler la
terre, mais je l'ai... Ah, voilà, c'est ça, t'as picolé, t'as mal au crâne, hein? Et vous, c'est une propriété privée ici, c'est chez moi, hein? Ben, dis donc, si vous l'avez jeté comme ça, et vous enroulez, hein? Aldo Bocamp, espère de votre assurance. Mon fils m'a dit que vous étiez passé hier chez moi. Si vous saviez ce qu'il m'a raconté, il jurait qu'il avait attrapé une indienne. Les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Ouais. Ils voulaient parler sans doute de mon assistant. Ouais. Alors, pour l'assurance? Bon, il y a une demande d'expertise. Alors, je vous dois poser quelques questions. Ben allez-y, je vous écoute. Connaissez-vous les rôdeurs qu'on a trouvé morte dans l'incendie? Les rôdeurs? Oui, les rôdeurs. De quoi parlez-vous? Non, bien sûr que je ne le connaissais pas. Ah, c'est Besson. Le téléphone de votre voiture vous appelle. Ouais. Comment allez-vous? À pied. Très drôle. Hey. Allô, oui. Vous avez connu l'ex-femme de M. Besson? Bien sûr. On me demandait rien sur la vie privée, hein. Pour moi, c'est comme la propriété. Et qui était beaucoup moins professionnel. Et puis, tiens. Ça va comme ça, je fais pas trop tâche. Vous êtes ravissant. On boit quelque chose ou on va dîner tout de suite? Bon, on dîne tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Maître. Prenez la banquette, vous êtes le plus vieux. Ça ne déplaît pas à tout le monde. Vous faites discret parce que je vois tout. Oh oh, vous allez vous l'aider très jeune à sourire comme ça. Vous avez choisi? Non. Champagne. Champagne et table d'eau. Sur votre maquette, vous êtes plutôt jolie. Vous n'enlevez pas votre chapeau? Oh, ça va, ça prend pas. Il vous plaît pas, mon chapeau? Si, si. Mais pour manger... Vous faites comme vous voulez. Vous mangez quoi? Alors? Eh bien, écoutez, Besson a déjeuné ici le dimanche de la samedi. Donc, on est ici pour l'enquête? Ben oui. Un vieux monsieur comme moi, s'il n'a pas de vraies raisons, il ne peut pas inviter les jeunes filles. Et ça, c'est une de mes raisons. Qu'est-ce que c'est? Une de mes raisons. Eh, mais c'est dégoûtant, votre truc. Mais... Dégoûtant? Je vous le change immédiatement. Désolé. Quel con. Champagne table 12. Eh, c'est dégoûtant de piquer. Ah, vous voulez le courrier? Mais non, simple réflexe professionnel. Mais rassurez-vous, je la lui rendrai demain. Mais je crois que j'ai eu raison. Lisez. Merci. Oh ben merde alors. Je te préviens, le petit est à moi aussi. Tu ne peux pas m'interdire de le voir. Si tu continues, je saurai quoi faire. J'ai peut-être mon mot à dire sur l'incendie, mais c'est super hâte, ce truc-là. Enfin, tout ceci n'est pour pas grand-chose, sauf qu'une chose. Le petit Besson n'était pas avec sa mère dimanche. Vous êtes fort, vous, hein? Vous irez loin. Tout ceci est super compromettante. En plus, on les faisait chanter. Donc c'est lui, il avait besoin de fric. Pas sûr, il refusait de payer. Je voulais les coordonner derrière la photo de Madame Besson. Vous irez l'interroger. Sans peinture de guerre, cette fois, d'accord? Je me sape comme je veux, compris? Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Et moi, je vous garantis que c'est lui. Alors, je vais aller interviewer sa bonne femme. Et s'il faut, ça coûte centiaque dans le nez que je vais lui faire dire les choses. Faut pas parler comme ça, hein? J'injecte comme je veux. C'est très laid, hein, bouche de femme. Macho. Mais pourquoi vous êtes si nerveux pour une histoire que ça vous intéresse pas? Il faudrait savoir ce que vous voulez. Mademoiselle? Monsieur? Décidément, tout le monde est se déguise aujourd'hui. Ben, j'avais cru comprendre hier soir que vous n'aimiez pas ma petite robe noire. Eh bien, vous vous trompez. C'était très drôle. Alors, vous m'en voulez pas? Moi, non. Mais ceux qui attendaient de vous voir mieux, si. Bien. Si on travaille un peu. Allez, alors je coupe, hein? Oui. On va résumer un peu tout ça, hein? Ah, j'ai vu Madame Besson. Vous voyez, quand vous voulez. On joue à quoi? Avec vous, sûrement à la bataille. Eh bien, vous gagnez, vous parlez. Alors?
Edith Besson est une femme au bout du rouleau. Son mari l'empêche de voir son fils depuis 6 mois parce qu'elle boit. Et elle boit parce qu'elle ne voit pas son fils. À mon avis, ils vont jamais s'en sortir. Il bevait peut-être déjà avant. À votre avis, il y a quelque chose à voir avec l'incendie? Non. Elle savait même pas que ça avait brûlé. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans. Non, non, en plus, elle est tellement déjantée que ça m'étonnerait. Puis elle m'a dit que Besson n'avait pas de problème d'argent. Je sais. L'entrepôt marchait très bien. Mais les barges y avoir mis le feu, alors. Mais non, c'est pas sûr. La prime pouvait l'aider. J'ai gagné. Excusez-moi. Eh, mais vous trichez, là. Vous êtes prêt à n'importe quoi pour gagner. Mais non. Je joue avec les peu de cartes que nous avons. Madame Besson et Monsieur Besson. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, hein. Enfin, moi, il me semble qu'il y a une autre femme là-dessous. Quoi? Comment? Eh oui, j'ai mes indiques. C'est Alberto qui m'a dit que Besson avait rendez-vous avec une autre femme. Où? Quand? Aujourd'hui, à l'entrepôt. Bien. Nous allons vérifier ça. On ne sait jamais. Vous êtes encore là? Vous ne déjeunez pas? C'est joli aujourd'hui. Merci. Ah, j'ai embouti hier une voiture. En sortant du restaurant, j'étais un peu... émue. Oui. Enfin, maintenant, ça doit être le propriétaire qui doit l'être. Mais j'ai pris son numéro pour l'assurance. Sylvain Cabezas. Quoi? 423 XJT 75. Cabezas, c'est lui qui a embouti la roche de Madame de la Roche dimanche rue Gustave Flaubert. Ah, je savais, j'avais déjà entendu ce nom-là, moi. Cabezas. Cabezas et Besson, ils fréquentent le même restaurant, le même jour, avec la même voiture. Ils font un drôle de tandem, ces deux-là. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Calme-toi, calme-toi, j'arrive. Bon, vous allez à l'entrepôt. Je vous retrouve. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais Alberto avait l'air paniqué. Aldo, Aldo, regarde-nous. Non. Champagne. Champagne et table d'eau. Sur votre maquette, vous êtes plutôt jolie. Vous n'enlevez pas votre chapeau? Oh, ça va, ça prend pas. Il vous plaît pas, mon chapeau? Si, si. Mais pour manger... Enfin, vous faites comme vous voulez. Vous mangez quoi? Alors? Eh bien, écoutez, Besson a déjeuné ici le dimanche de la samedi. Donc, on est ici pour l'enquête? Ben oui. Un vieux monsieur comme moi, s'il n'a pas de vraies raisons, il ne peut pas inviter les jeunes filles. Et ça, c'est une de mes raisons. Qu'est-ce que c'est? Une de mes raisons. Eh, mais c'est dégoûtant, votre truc. Mais... dégoûtant? Je vous le change immédiatement. Désolé. Mais quel con. Champagne table 12. Eh, c'est dégoûtant de piquer. Ah, vous voulez le courrier? Mais non. Simple réflexe professionnel. Mais rassurez-vous, je la lui rendrai demain. Mais je crois que j'ai eu raison. Lisez. Merci. Oh ben merde alors! Je te préviens, le petit est à moi aussi. Tu ne peux pas m'interdire de le voir. Si tu continues, je saurai quoi faire. J'ai peut-être mon mot à dire sur l'incendie, mais c'est super hâte, ce truc-là. Enfin, tout ceci n'est pour pas grand-chose, sauf qu'une chose. Le petit Besson n'était pas avec sa mère dimanche. Vous êtes fort, vous, hein? Vous irez loin. Tout ceci est super compromettant. En plus, on le faisait chanter. Donc c'est lui, il avait besoin de fric. Pas sûr, il refusait de payer. Je vous rends les coordonnées derrière la photo de Madame Besson. Vous irez l'interroger. Sans peinture de guerre cette fois, d'accord? Je me sape comme je veux, compris? Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Et moi, je vous garantis que c'est lui. Alors je vais aller interviewer sa bonne femme. Et s'il faut, ça coûte centiaques dans le nez que je vais lui faire dire les choses. Faut pas parler comme ça, hein? J'injecte comme je veux. C'est très laid, hein, bouge de femme. Macho. Mais pourquoi vous êtes si nerveux pour une histoire que ça vous intéresse pas? Mais faudrait savoir ce que vous voulez, vieux. Je suis en stage, oui ou merde? Merde. Vous aimez les scandales, hein? Très bien. C'est une malade. C'est Marion Lanier. Marion Lanier, une malade. La fille du président Lanier. Il vient d'avoir une crise. C'est une folle. Ha ha.
Ce fils est un danger public. Allô? Virginie? Bonjour, c'est Aldo. Des messages? Alberto? Ok, c'est noté. BGI. La banque BGI, quelle rue? Ok, merci Virginie. Monsieur Besson est venu vous voir. Je voulais savoir les motifs de sa visite. Trahir le secret professionnel n'est pas le genre de la maison. Monsieur Besson est un très bon client. Alors vous comprendrez qu'il y a des choses. Mais c'était juste un change d'information entre mon agence et la vôtre. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Besson? Je vous entends plus parler. Moi non plus. Comment peut-on faire? Parlez plus fort. Vous pouvez? Oui. Pas vous? J'ai déjà essayé, mais je me suis démis l'épaule. Ah! Alors ne prenez plus de risques. Merci, monsieur. C'est l'assurance que je représente rembourse à l'usine de monsieur Besson 7 millions de francs lourds. Vous aimeriez qu'il les dépose sur le compte qu'il a chez vous? Bien. Il me demande de lui verser 1 million dans 24 heures et en espèces. Et vous allez lui donner? Je n'ai encore rien décidé. Pour la demande de découvert, qu'est-ce que je... Non ! Intérieurement assuré au groupe Lénier. Renseignement confidentiel. Oui, allô. C'est Aldo. Votre père est d'accord? Mon père, mais c'est rien, mon père, alors... Bon, alors vous prenez Besson en filature, mais comme vous ne devez pas prendre des risques avec Alberto comme garde du corps. All right? C'est un mariage, un klaxon en général. Monsieur Bocamp, regardez les trois hommes en rouge, jusqu'ils m'ont... Vous allez rire. J'ai cru que vous avez employé ces types pour m'empêcher d'amener l'enquête. Et pourquoi j'aurais fait ça? Remarquez, ça vaut mieux parce que ça ne va pas rester grand-chose. Thank you.
Allez, Alberto! Vas-y, Alberto! Et la fille? Ma stagiaire. Pas mal, hein? Je suis pas débile, hein? Je suis pas débile, hein? Bocamp, à Turin, t'as intérêt à te coucher au sixième round. Sinon... Là, les filles, on se tire! Venez. Mais Alberto! Ne vous inquiétez pas pour lui, je m'en occupe. Mais les flics vont l'embarquer. Et alors? Il va finalement visiter le commissariat français. Et pourquoi on fait rien? Une, parce qu'on est suivi, je ne sais pas pour qui. Deux, parce qu'il y a deux chances sur deux que les flics ne veulent rien comprendre à notre histoire. Et trois, pourquoi finalement Alberto ne risque rien de tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait alors? On va téléphoner. Mais à qui? Aux flics. Aldo! 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 Il y a Alberto qui est au commissariat. Ça commence vraiment à devenir intéressant. Et je vois pas pourquoi on va pas interroger cette Alice Cabessa ou Besson. Ça serait quand même un petit peu plus... Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Odin, ça va? Salut Aldo. Ça va? Oh ben là, autre chose. J'ai ton loustique. Me dites pas bonjour, j'ai les mains moites. C'est à moi que vous parlez? Ah, parce qu'en plus, faut pas vous parler, peut-être. Mademoiselle Lanier est un stage à l'agence. Mademoiselle Lanier, l'inspecteur d'un step. Tu recrutes dans les centres de redressement? C'est mignon, hein? J'ai pas à plaire, je peux me défendre comme je veux. Je n'en doute pas, mademoiselle. Mais avec moi, vous allez tomber sur un os. Oh, calme-toi, mon vieux. Ok, ok, je vais pas mettre la panique dans le club du troisième âge. Il est où, Alberto? Je m'en occupe. En attendant, vous buvez un café. C'est mignon. Me dis pas que c'est la fiancée de ton neveu. Mais non, je te dis qu'il y a un stage chez nous, c'est clair? Non, c'est comme ton neveu. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Du tourisme. Suivre une femme avec ta voiture, tu appelles ça du tourisme? Non, t'as raison, du safari. Alors, c'est elle qui vous appelait? Bien sûr. Il doit être nerveuse après la disparition de son mari. Disparu? Qui a disparu? Son mari, Sylvain Cabezas. Mais toi, tu peux pas être au courant de tout, n'est-ce pas? Vérifiez-moi si un certain Sylvain Cabezas, époux de... Alice Cabezas. Regardez-moi cette patte, souple et généreuse de caractère. Italien, quoi. La classe. Sonnez, canon, revoir, frère. Sonnez, canon, revoir. Oui, nous nous reverrons, mais personne. Sonnez, canon, revoir. Isabelle, attention, à vous. Arrête-moi ça tout de suite, hein. Je croyais que tu t'occupes de ton four. Oh, vous nous gâtez, Aldo. Cette idée de barbecue italien est une très belle façon de fêter votre départ. Déjà, je sens le pays. Vous partez longtemps? Je ne suis pas encore parti, vous voulez déjà savoir quand je rentre? Vous allez tellement nous manquer. Je veux dire, vous allez... Vous allez tellement manquer à l'agence, toutes ces affaires d'assurance qui attendent votre intervention. Antonin et Julien, ils sont au courant de tout. Oui, je suis au courant de tout. Oui, je suis au courant. Mon neveu Alberto, il dispute des matchs de boxe très importants. Il faut que je l'encourage. Son neveu? Quelle drôle d'idée! J'aurais jamais pensé à partir en vacances avec mon neveu, moi. Remarque, j'en ai pas. Ça doit être pour ça que j'y pense pas. Tu ferais mieux à penser à ton feu, hein? À mon feu? Ben oui. Ben j'y pense, j'y pense. Vas-y.
Ah bah bravo, te voilà. Bon bah faut qu'on recharge, ça va s'éteindre. Mais je te l'ai dit, on l'a allumé trop tôt. Et puis les briques sont mal huiles. Oh, on aurait dû les mettre dans l'autre sens. Mais t'avais qu'à le faire. Mais c'est moi qui l'ai fait. Attendez, faut voir si les briques sont bonnes. Non, elles sont pas bonnes. Faut qu'on souffle. Bah t'as qu'à le faire. Oh. À ton tour, hein. Merci, c'est au bon moment, hein. Là. Aldo ? Oui. Alors Aldo, au nom de l'agence tout entière, permets-moi de t'offrir cet équipement du parfait détective. On avait dit que c'était une surprise. Je n'avais rien dit. Un cadeau ? Quelle surprise ! Tu vois ? Non. Bah disons. Ma parole, c'est vrai. L'équipement du parfait détective. Alors là, pour être une surprise, c'est une surprise. Hein? Ah, tu vois, hein? De moins en moins. Vous en avez fait des folies. Si on voulait, on pourrait faire des écoutes téléphoniques. Si on voulait. Mais on veut pas. Non. Non. Bon, non. Et ça, c'est quoi, ça? C'est une idée des filles. C'est parti! C'est un mariage, un klaxon en général. Monsieur Bocamp, regardez les trois hommes en rouge, jusqu'ils m'ont... Vous allez rire. J'ai cru que vous avez employé ce type pour m'empêcher d'amener l'enquête. Et pourquoi j'aurais fait ça? Remarquez, ça vaut mieux parce que ça ne va pas rester grand-chose. Hein? Allez, Alberto! Vas-y, Alberto! Et la fille? Ma stagiaire. Pas mal, hein? Alors, ces millions de francs, vous l'avez trouvé? Vous êtes au courant? Qui vous faisait chanter avant l'incendie? Comment allez-vous? À pied. Très drôle. Hey. Allô, oui. Vous avez connu l'ex-femme de M. Besson? Bien sûr. Mmh. Ah, mais demandez rien sur la vie privée, hein. À moi, c'est comme la propriété. Hein? Chacun chez soi et des rideaux aux fenêtres, et pas en nylon, hein. Et justement, je voulais savoir si son bas était nylon. Non! Oh! C'est une femme bien, dit Besson, hein. De la soie, elle porte, monsieur. Des bas de soie. La pauvre. Et de quoi vous vous mêlez, vous? Je suis là pour bosser, moi, pas pour bavasser. Je comprends. Et si les affaires, il allait bien? Oui, ça marchait bien, oui. Bon, on allait même déménager pour s'étendre. Hein? Ah, déménager.
Non, non. Non, écoute, Alice. Non. Non, mais ça peut pas attendre. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez. Ah, oh, j'entends. Ah, je connais cette voix. Hein. C'est celle de l'ex-associé de M. Besson, là. Cabezas. Sylvain Cabezas, oui, c'est ça. Cabezas. Mais de toute façon, ça ne vous regarde pas, vous. Oui, oui. Bon, à tout à l'heure, oui. Oui, je suis à l'entrepôt, oui. Mais tu te calmes. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Quoi de vin, venez ici. Et dis donc, je vois que ça range pas, hein. Remarquez que vous aussi, vous avez l'air pas bien. Tiens, prends le taxi, rentre au bureau. Je te rejoins tout à l'heure. Alors, monsieur Besson, avez-vous une idée sur la façon dont l'effet a pris? Les flics ont fait leur prélèvement, vous n'avez qu'à vous adresser à eux. Monsieur Bocampe. Bocampe. Aldo Bocampe. Et ben, vous comprendrez que pour payer l'assurance, il doit faire sa propre enquête. Oui, mais enfin, si c'est le rôdeur qui a mis le feu, vous payez. Bien sûr. Si c'est accidentel. À moins qu'on l'a mis là pour faire croire un accident. Ou qu'il s'agisse de meurtre. Quoi, un meurtre? Ah. Si c'est accidentel, nous payerons. Ah. Au revoir, monsieur Bocampe. Mmh. Dites, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous faites semblant d'écrire dans votre carnet? Vous avez du feu? Un très sympathique. Oh merde! Eh ben c'est comme ça qu'on met le feu. Eh oui. Ah, c'est toi. C'est elle, monsieur Bocampe. Bocampe. Aldo Bocampe. Et ben, vous comprendrez que pour payer l'assurance, il doit faire sa propre enquête. Oui, mais enfin, si c'est le rôdeur qui a mis le feu, vous payez. Bien sûr. Si c'est accidentel. À moins qu'on l'a mis là pour faire croire un accident. Ou qu'il s'agisse de meurtre. Quoi, un meurtre? Ah. Si c'est accidentel, nous payerons. Ah. Au revoir, monsieur Bocampe. Mmh. Dites, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous faites semblant d'écrire dans votre carnet? Vous avez du feu? Un très sympathique. Oh merde! Eh ben c'est comme ça qu'on met le feu. Eh oui. Ah, c'est toi. Bah, c'est tout l'effet que je te fais. Moi, j'ai fait un effort. Je voudrais une aspirine, s'il te plaît. Une aspirine. Fais plus doucement, s'il te plaît. C'est un peu plus fort. Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui. Merci. Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Ouais. Bah, c'était pour te remercier pour le Walkman. Ah oui? Oh, t'es gentil. Et tu penses en aller, ça? Normalement, c'est ta taille. Faut que tu l'essayes. Je t'adore, Marion. Merci. Mal. Et je vais beaucoup mieux maintenant. Mais on dirait pas, hein? Enfin, autant que tu ne te maquilles pas, où tu vas? Eh bien, chez toi. Je pensais faire une petite sieste. Bon, va te reposer, va. Et change-toi.
Ça y est, c'est lui. On y va. Progressez par l'intérieur. La pizza à la carbonara. Alberto, mon neveu. Mais... Alberto, mais qu'est-ce que tu fais là? Je partais te rejoindre, moi. Ben, tu vois, ce n'est plus la peine. Ah. Je suis là. Pardon, c'est la fumée. Je suis allergique. Moi, c'est pareil avec la fumée de cigarette. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, l'incendiaire, hein? Viens, Alberto, tu me raconteras pourquoi tu es là, hein? Oui. Bah alors? Il part plus. Hé, hey, tu veux un traversin aussi? Non, non, merci. Moi qui je me faisais une joie de partir, de retrouver l'Italie, son soleil, ses scampis, sa douceur. Sa douceur, pas pour tout le monde. Si je suis là, c'est que... Bon, tu dormiras là. Explique-moi. Mais tu sais le match de boxe à Turin en fin du mois? Oui. Eh bien, on m'a demandé de le perdre. Et bien sûr, t'as refusé. Mais non seulement j'ai refusé, mais je te garantis que le type qui est venu demander, je l'ai arrangé. La nuit, c'est qu'ils en ont envoyé d'autres. Bien sûr, l'union fait la force. J'ai décidé de partir jusqu'au match, pour rester tranquille. Je te garantis que ce jour-là, je ne me coucherai pas. Et en attendant, je peux faire un croix sur mes vacances, moi. Mais pourquoi? On peut très bien faire tes vacances à Paris. Tiens, on visitera tout, comme si tu étais un touriste. Mais oui, touriste, et pourquoi on va pas à l'hôtel, alors? Mais l'oreiller, c'est de la plume. Non, pourquoi? Achou! Parce que je suis allergique à la plume. Achou! Joséphine, viens. Albert ne veut pas dormir avec toi. Bon, demain matin, ce sera un café noir? Oui, un café, sì. Due tartine, sì. Un uovo fritto, cappuccino, succo di frutta, due spaghettini al dente. Con un po' di... Allez, bon nuit, va, dammi, va, fa il culo. Ti aggrossi, Joséphine, eh? Allô? Ah, bonjour. Eh bien là, on allait partir en visite touristique. Che c'è qua? Beh, on est bien d'accord, Isabella, je vais, je regarde et je vous dis ce que j'ai vu. Ok, ok, au revoir. T'as déjà visité une usine? Ok, merci Virginie. Monsieur Beaucamp, de la GAF, je crois. Vous avez demandé à me parler. Oui. Monsieur Besson est venu vous voir. Je voulais savoir les motifs de sa visite. Trahir le secret professionnel n'est pas le genre de la maison. Monsieur Besson est un très bon client. Alors vous comprendrez qu'il y a des choses. Mais c'était juste un échange d'informations entre mon agence et la vôtre. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Besson? Je vous entends plus parler. Parlez plus fort. Vous pouvez? Oui. Pas vous? J'ai déjà essayé, mais je me suis démis l'épaule. Ah. Alors ne prenez plus de risques. Merci, monsieur. C'est l'assurance que je représente rembourse à l'usine de monsieur Besson 7 millions de francs lourds. Vous aimeriez qu'il les dépose sur le compte qu'il a chez vous? Bien. Il me demande de lui verser 1 million dans 24 heures et en espèces. Et vous allez lui donner? Je n'ai encore rien décidé. Thank you.
C'est pour la demande de découvert. Qu'est-ce que je... Non ! Sur le groupe Lenier, renseignement confidentiel. Oui, allô. C'est Aldo. Vous? Mais... Je ne vous dérange pas, au moins. Non, non, pas du tout. Je me disais que vous n'êtes pas les gendres à vous coucher avec les poules. C'est rien. Vous avez des invités? Oui, c'est mon anniversaire. Ah, alors bon anniversaire. De quoi vous tu parles? Vous avez soufflé les bougies? Mais c'est qui? Si je dérange, je peux me tirer. Mais je te dis que c'est rien. C'est mon père. Salouel est de ma part. Vous voyez que ton je père. N'ai pas de rancune. Ton père, hein? Un de tes amants, c'est ça? Hein? Cette patte, souple et généreuse de caractère. Italien, quoi. La classe. Sonnez, Isabelle, attention, à vous. Arrête-moi ça tout de suite, hein. Je croyais que tu t'occupes de ton four. Ah, vous nous gâtez, Aldo. Cette idée de barbecue italien est une très belle façon de fêter votre départ. Déjà, je sens le pays. Vous partez longtemps? Je ne suis pas encore parti, vous voulez déjà savoir quand je rentre? Vous allez tellement nous manquer. Je veux dire, vous allez... Vous allez tellement manquer à l'agence, toutes ces affaires d'assurance qui attendent votre intervention. Antonin et Julien, ils sont au courant de tout. Oui, je suis au courant de tout. Oui, je suis au courant... Mon neveu Alberto, il dispute des matchs de boxe très importants. Il faut que je l'encourage. Son neveu? Quelle drôle d'idée! J'aurais jamais pensé à partir en vacances avec mon neveu, moi. Remarque, j'en ai pas. Ça doit être pour ça que j'y pense pas. Tu ferais mieux à penser à ton feu, hein? À mon feu? Ben oui. Ben j'y pense, j'y pense. Pense-y. Ah ben bravo, te voilà. Bon, ben faut qu'on recharge, ça va s'éteindre. Mais je te l'ai dit, on l'a allumé trop tôt. Et puis les briques sont mal huiles. Oh, on aurait dû les mettre dans l'autre sens. Mais t'avais qu'à le faire. Mais c'est moi qui l'ai fait. Attendez, pour voir si les briques sont bonnes. Non, elles sont pas bonnes. Faut qu'on souffle. Mais t'as qu'à le faire. Oh. À ton tour, hein. Merci, c'est au bon, hein. Là. Aldo. Oui. Alors Aldo, au nom de l'agence tout entière, permets-moi de t'offrir cet équipement du parfait détective. On avait dit que c'était une surprise. Je n'avais rien dit. Un cadeau? Quelle surprise! Tu vois? Non. Bah disons. Ma parole, c'est... Si on parle de l'usine de ton père... Je crois qu'il résiste. Ok, bonjour, ça vient, mais pas de patrouille. Alors, tu prends du soleil sur le palier, on y va? Et Marion, on n'attend pas Marion? Personne. Ma qu'est-ce que tu fais là? Ben, il a bien parlé dans lettres, non? Et tu crois ces choses-là maintenant? Non, mais en général, dans les boîtes à lettres, il y a des lettres. Mais ça, c'est des... De l'information. Ah. Dites, qu'est-ce que vous mettez dans les boîtes encore? Eh, on met de l'information. Ah, de la publicité, c'est ça? C'est ça, madame. Hein? C'est... Au revoir, madame. J'allais oublier. C'est une lettre qui est arrivée par erreur dans ma boîte.
Vous pourriez la mettre dans celle de Monsieur Besson, pendant que vous y êtes. La lettre dans votre boîte de Monsieur Besson? Oui, mais c'est une erreur du facteur. C'est idiot, n'est-ce pas? Eh non, c'est pas mal, madame, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est trompé de temps en temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Ne vous inquiétez pas, je la remets dans sa boîte. Dites-moi, monsieur, vous avez un accent. Vous travaillez pour une firme étrangère. Oui, c'est ça, italienne, une firme italienne. Et vous faites de la réclame, pourquoi? Pour des voyages, madame, pour des voyages. Ah, des voyages, ça forme la jeunesse. Mais ça n'empêche pas de vieillir, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Une sauvage! C'est une de vos collègues? Oui. On fait aussi la promotion pour des temps d'Indiens. Pour les jeunes, bien sûr. Eh bien, madame, merci de tout. On ne veut plus vous déranger longtemps. Ah, oh, mais vous ne me dérangez pas du tout. Mais nous aussi. Vous voulez pas qu'on bosse? Excusez, là, elle débute. Eh, ma petite, si vous croyez que c'est comme ça que vous allez vendre vos vacances indiennes, à mon avis, vous vous trompez. Ouh! C'est toujours comme ça dans votre boulot? Non, il y a des jours que c'est pire, d'accord? Et en plus, il fait mauvais, hein? Toi? Oui. Et là, en la faisant glisser sur les autres, tu dois ramasser le reste. Allez, on y va. Quelle honte, quelle honte. Merde. Mais c'est du rat, ça. Écoutez. Ah ouais. Hein? Attendez. Ah, c'est ça. Écrivez. Lui, c'est... à l'appareil. Laissez tomber. Tribunal. C'est fou. Vous êtes sûr que vous pouvez conduire? Très bien. Hein? Oh, Aldo, Isabella vous attend. Hein? Moi, j'ai fait du judo quand j'étais petite. Vous pourriez m'apprendre la boxe? Bien sûr. Hey, Alberto, tu te rappelles, Virginie, c'est... Ah. Oui, oui, bon. Virginie, vous avez un ciseau, un peu de scotch et une cassette? Non, enfin oui, enfin moi, je vais m'arranger pour trouver tout ça. Ah, vous n'étiez pas tante? Oui. Hé, hey, t'as du rouge aux lèvres, là. Attends! Pardon. Marion Lagné, Aldo Bocamp. Bonjour. Mademoiselle? Lagné. Oui, mademoiselle Lagné nous est envoyée par son père, Monsieur Lagné, du groupe d'assurance Lagné et compagnie. Ah, la fille du président Lagné. Je vois. Mademoiselle Lagné hésite beaucoup sur sa carrière aussi. Son père nous l'a envoyée pour qu'elle fasse connaissance avec notre profession. Mais c'est une excellente initiative. N'est-ce pas? Oui. Vous devriez la mettre en tandem avec Julien. À propos de Julien, votre neveu vient d'y aller un peu fort. Non. L'autre lui a gonflé la tête, il lui a démonté, c'est réglo. Voilà. La fille du président Lagné trouve que c'est réglo. Eh bien, on verra ça plus tard. Et à propos de l'usine? Complètement brûlée. L'incendie semble être provoqué par un rôdeur qui a péri dans les flammes. Bien banal comme histoire. Oui. Encore un clochard qui met le feu. Mais dans une usine, c'est étrange. Et puis l'ancien propriétaire affirme que l'incendie ne peut être que criminel. Vous avez les rapports de la police? Ma cassette? Tu veux pas mon Walkman pendant que tu y es? Oh ben c'est gentil de me le proposer. Je n'osais pas vous le demander. Je rêve. Hein? Mais non. Vous découvrez juste l'univers impitoyable du monde du travail. Alors la police? Je n'ai pas encore leur conclusion, mais l'assurance nous a demandé de pratiquer l'expertise du sinistre. Alors comme vous avez commencé, j'ai pensé... Ah non! Ah non, Isabella, hein? Et mes vacances? J'ai mon neveu sous les bras, moi. Je vous fais remarquer que cette heure-là, je devrais être en Italie. Oui, mais vous n'y êtes pas. Bon, j'ai besoin de vous, Aldo. De votre compétence, de votre talent. Isabella, ne rajoutez pas plus quand même, hein? Et en plus, c'est le genre d'enquête qui ferait un stage très intéressant pour mademoiselle Lagné. Moi, avec... On n'y pensait pas. Faites-le pour moi, Aldo. Moi, pour moi. Hé, hey, donnez l'enquête à Julien. Il est débordé de travail. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon neveu? Le boxeur. Mais je sais pas, emmenez-le avec vous. Ça peut toujours servir un boxeur, hein?
Bon, mademoiselle Lagné est au courant de l'affaire. Alors, je vous laisse le dossier et surtout, je compte sur votre discrétion. Discrétion, ça va être facile. Alberto n'est pas avec toi? Non, il est avec une fille. Marion? Oui. Dis donc, tu vas pas faire une dépression, non? Tu le vas voir bientôt, ton pote. Tiens, Julien, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me fasses un coup de fil à téléphone. Et pourquoi moi? Pourquoi t'as pas l'accent italien? C'est vrai, mais... Mais c'est vrai. Ah. Allô? Le laboratorio? Laboratoire. Le laboratoire? Oui, bonjour, oui. Oui, je vous appelle de la part de l'inspecteur... Stiberg. C'est Dan? Dan Stiberg. Oui, oui, Dan Stiberg, oui. Oui, c'est à propos des prélèvements faits sur l'incendie Buisson. Besson. Oui, Besson, avec un E, oui. Comment ça, il vous faut une autorisation du juge d'instruction? Les autorités. Vous voulez couvrir les criminels? Vous savez très bien où ça peut vous mener? Rappelez-moi votre nom. Pardon? Ah, bon, oui. Je préfère, oui. Oui, c'est ça, j'attends. Ils sont partis chercher le dossier. Pardon? La seule chose dont vous soyez certain, c'est que le rôdeur avait un pied beau. C'est bien la peine d'avoir un laboratoire aussi perfectionné pour découvrir des indices aussi minces. Je ne vous félicite pas, monsieur. Oh. Alors là, je l'ai séché, le mec, hein. Alors là, j'ai été... Bravo. T'inquiète pas, si ça marche pas, je dirais que c'est toi. Ah, bon, là, elle est bonne, celle-là. C'est la meilleure. C'est la meilleure du siècle. Il va bientôt recevoir un coup de fil. On est prêt. Ça y est. C'est parti. Allô? C'est moi, Alice. Qu'est-ce que tu me veux encore? Une compensation pour mon silence. Mais je n'ai pas vu Sylvain. Tiens, est-ce que je préviens la police? Elle a perdu sa boule. Combien? 1 million de francs. Je savais bien que c'était une grosse somme d'argent. Débrouille-toi avec l'assurance. Ah ! C'est Fernande. Je suis au 42 89 6000. À bientôt. Déjà ? Tu fais vite ? Bonjour, madame Cabezas. Ah, excusez-moi de vous avoir effrayé, mais j'ai frappé et ça répondait personne. La porte était ouverte. Qui êtes-vous ? Aldo Bocamp, experte en assurance. Non, je vous remercie, monsieur, je n'ai vraiment besoin de rien. Rassurez-vous, je ne viens de rien. Je m'occupe de l'affaire Besson. Louis Besson? Si, vous connaissez? Oui, enfin, c'était l'associé de mon... Alors c'est vrai, t'es pas mort. Eh bien, non. Et pourtant, tu l'as bien cru, hein? Alors le cadavre qui... Un clodo qui a eu la bonté de mourir près de chez moi. Pratique, non? Il a fallu que je l'aide un peu. Si tu vois ce que je veux dire. Tu as tué ce pauvre type. J'étais criblé de dettes. Alors que toi, hein, tu trouves pas ça injuste? T'es complètement fou, Sylvain, complètement fou. Tu aurais mieux fait de payer, Louis. Police. Inspecteur Aldo Bocamp, expert en assurance. Bravo. Vous étiez parfait. Oh. C'est fini. Ah, voilà. 33. C'est là. Au revoir, Marion. Au revoir, Marion. À bientôt. On s'embrasse? Aldo, faut y aller, le train va partir. Je sais. Il faut aller, le train va partir. Mais vous ne partez plus? Non, je vous laisse la place. Et ça, c'est son cas qui est vraiment chic pour sortir là-bas. Non, vous déconnez là. Est-ce que j'ai tête à déconner? Allez, faut que j'aille. Merci.
Ciao, Aldo. Ciao. Je passe par là. Ciao. Ciao, tonton. Hey, j'ai gagné le match, hein? Ah, ça, c'est promis. Ciao, zio. Ciao. Bon voyage, monsieur.